Yo, me verra sans résistance. Mon âme délivrer Gabon. Vous m'avez d'abord accusé ici là que je baise avec Izozongonde. Mon frère Izozongonde, ma tout, je suis fatigué. Aujourd'hui, ça continue dans la perpétuation. Agnambié, les Gabonais. Donc, c'est comme ça là, les audios là sont arrivés. Les lives là arrivés comme ça là. La petite cela me parlait aussi que, oh, tata dérangé là-bas, c'est comme. Tu as honte, t'avais bien dit, c'est comme je dis. Ah, ça c'est le truc de la honte. Quand tu affirmes l'amitié comme ça, tu entends que dans l'amitié là-bas, c'est ton kundangunda de l'amitié. Je dis que, pardon, moi je suis pas bizarre, je vais pas aller encore appeler ma soeur là-bas pour dire que qu'est-ce qui s'est passé. Puisque apparemment, le lave là, il y avait plus de 500 personnes dans le lave de ma soeur là-bas, garde garde cela. Elle aussi, elle a vraiment, aussi, elle a les surnoms bizarres. Quand tu vas encore aller l'appeler la bigance, Donc, chez ma soeur, la bigance, là, la petite copine d'Ali Bongo, là-bas aussi, là, la PDG numéro 1 de la diaspora de la France, là aussi, là. Hein? Donc, apparemment, il y avait 500 personnes là-bas qui ont écouté que mon nom est sorti là-bas. Qui a les malotas manger? Qui a les malotas manger? J'ai dit que, yeah! À part vraiment les gens que je considère comme amis, qui est mon ennemi, qui me mangent. Quand j'entends que c'est la personne que moi j'appelle ma grande soeur qui m'a mangé là. Oh yo, tanzambia, mbukma, me, ye, kokol, batie, ye, ha, ye, mbukwe, ye, tate, ye, ye, tadisiel, we, ye, mwangan, we, ye, ye, mwandisul, ye. C'est comme ça, j'ai dit que non, c'est pas de moi qu'il s'agit. J'ai dit que la grande me dit que là, les Facebookers, il y a de Congo ça ici beaucoup. Maman, ça dit que même ce que la big dance, ça là, la big dance, ma soeur là, bon, comme elle est de ma coco, je vais appeler ma soeur. Donc ma soeur là n'a pas dit, je t'ai dit que j'étais là les oreilles. Alors que je suis dans la ferrage. Oh, Claire, je t'ai dit comment t'as fait dire, oh, Claire, tu ne comprends pas. J'ai dit que, vraiment, vous savez raconter les histoires. Donc là, l'oiseau ne meurt pas seul. Moi-même, j'ai dit que je vais m'asseoir, aller écouter ce que ma soeur, la Big Bang, la Big Gans, là-bas, la petite copine d'Ali Bongo a raconté dans son direct là-bas. Voilà, moi, je suis allé me taper une heure de Big Bang là-bas, en train d'écouter le baba de con de ma baisse, le con de ma baisse. J'ai dit que, là-bas, avec le con de ma baisse là-bas, je vais entendre seulement mon CV. Voilà, moi, je viens là. J'ai fini d'entendre le con de ma baisse, le con de ma baisse chez la Big Gans là-bas. Donc, moi, je suis venu m'asseoir ici, là, vous tous, vous êtes là, témoins. Moi, je ne vais pas clasher ma soeur là-bas parce que moi, je n'ai pas dans mes habitudes. Et puis, je ne vais pas aller dire que ça s'est passé comment en privé. Puisque tout le monde est au courant, il y a des audios. Ah, on va régler tout ça ici, il y a le confinement. Donc, moi, je vais poser ma grand-sœur la question ici. Ah, Paola, merci, ma grand-sœur. Oh, à 13 ans, si je t'ai fait quelque chose, oh, ma chemingongol. Chemingongol, oh, yo. Si je t'ai fait du mal, Ah, attends, tout c'est lang et lang à l'ibongo, moussoundoué. Si je t'ai fait du mal à Paola, mais si ma chimie gongolo, pitié de moi, dépose-moi à côté, oh ma soeur, appelle-moi si tu as quelque chose. Ma soeur, des murs que clair, je n'aime pas ça. Ma soeur, dis-moi Claire, tu me plais pas, Claire, dis-moi si, pourquoi tu me défends pas. Yo, Claire, Amanzan, pourquoi tu prends mon nom à aller me critiquer chez les gens que je ne connais pas. Pourquoi tu prends le nom à aller m'insulter chez les gens que je n'ai jamais vu. On est amis ou bien on n'est pas amis. Ça c'est quel genre de mentalité. Tout ça c'est moi-même. Tout ça aussi Sali Bongo. Pourquoi les Gabonais sont comme ça? J'étais pour moi tranquillement avec mon vieux mari de blanc qui m'a ramassé dans les bois de nuit de Libreville. Donc aujourd'hui là c'est un peu les émotions sont un peu mélangées entre la trahison et la pleure et tout ça là, et donc mon cœur est là et tout m'a choqué, mais bon c'est pas grave. Donc c'est comme ça, je suis assise que je vais comprendre ce que ma grand sœur a dit de moi. Ma grand sœur vient m'expliquer qu'est-ce que j'ai fait de toi. Je suis là, ma collègue Bouka était moi. Parce que moi je n'aime pas rentrer dans les problèmes des gens. J'ai essayé 10 000 fois que je vais faire la paix avec ma collègue, avec ma sœur, que ma collègue m'a dit que ma fille je ne veux pas. Moi je suis là, je suis toujours distributeur de paix. Donc à quoi de mettre distributeur de paix là, on va me dire Yo, c'est fini, je vais faire sauter, on appelle ça le drapeau est où? Je vais lever le drapeau blanc, c'est fini, la paix est finie. Oh yo, je sors le drapeau blanc parce qu'à cause de moi, là, les gens se chamaillent, c'est moi qui vais faire la paix. Donc, c'est moi qui vais faire la paix comme ça, c'est moi qu'on mange encore. La paix est finie, maintenant je déclare la guerre. Je déclare la guerre aujourd'hui, contre moi-même. Contre moi-même, c'est fini. Donc, c'est comme ça, même là. Je suis là, je ne rentre pas dans les problèmes des gens. Parce que j'ai dit ici, nous sommes tous des adultes. Nous avons les poils blancs au cul. Nous avons les poils blancs au cul. Excusez-moi, je vais être aussi vulgaire comme ma soeur de Baguette de Gans. Parce que dans sa vidéo là-bas, mes oreilles sont fatiguées dans les bangalas.
Donc, nous, les gens de Makoko, les femmes de Makoko, là, nous, on est trop sauvages et impolitesses, vraiment. Donc, là, nous, on est doués dans ça. Donc, moi, je suis quelqu'un, je ne porte pas les problèmes des gens. Je pense que les pré-pétagonistes qui ont souvent les problèmes ici, ils l'ont remarqué. Je ne rentre pas dans les problèmes des gens. Parce que quand vous avez commencé, je n'étais pas dedans. Je ne rentre pas dans les problèmes des gens. Je dis ça bien. Ça dit même, je suis pour moi là, j'écoute seulement parce que je me dis, j'ai des amis. Donc, je ne rentre pas au. J'ai déjà dit ça 10 000 fois. 10 000 fois. Je pense que jamais m'expliquer ça ici à ma pauvre mère là. Je dis que maman, pardon, faut pas me détester pour les problèmes que je ne connais pas. Je ne rentre pas, je ne suis pas dedans. Nous sommes tous ici, nous avons les poils blancs au cul jusqu'aux aisselles. Donc chacun gère son karma, chacun gère ses problèmes. Moi-même, je me défends ici très, très, très mal. Donc je suis un peu seulement là en train de supplier ma grâce. Elle n'a qu'à venir me dire là où j'ai péché. Je vais demander ma Zabingungol Misango. Je vais m'asseoir à genoux comme ça, je vais demander Ingungol parce que je vais pouvoir entendre des critiques de tout le monde. Yeah! Je pouvais attendre que tout le monde m'a critiqué, tout le monde m'a insulté. Mais ma grande Paola, viens confirmer, oh, viens me confirmer l'histoire là. À quel moment on a commencé, où toi et moi on est devenus ennemis, à quel moment? Hier, je te souhaitais un anniversaire, donc il y a déjà des mois, je suis déjà ton anniversaire. À très âme, Nyambie. Pourquoi le monde est comme ça? Caméra bloque, la caméra bloque. Faut faire. On est ici là. Aujourd'hui, c'est ici là. Ici là, c'est quand on danse. Je suis triste pour de vrai. Vous savez, je ne peux pas vous montrer les yeux. Mais je sais que ma soeur, elle est là. Si elle n'est pas là avec son vrai profil, on connaît tous sur Internet ici. On a tous les waka waka des faux profils là. Mais bon, peut-être qu'elle est là en faux profil. Ce n'est pas grave, ma grande. Moi, je ne vais pas venir t'appeler en privé. Parce que si je t'appelle en privé, tu vas me rencontrer une autre version. Donc, là, comme les protagonistes sont là, Isaac est là et elle, tout le monde que tu as envoyé, les audios que nous tous, on a déjà écouté là. Enfin, nous, les concernés, on a déjà presque écouté les audios là. Donc, tout le monde va vous aller venir commenter et se dire que ce faux, c'est vrai. C'est comme ça, faites la bagarre dans mon réseau social là. Dites vrai ou faux. Parce que moi là, je vais pas appeler quelqu'un. Je suis tranquillement pour moi ici, je m'occupe pas. J'ai eu des problèmes avec 0 personne ici. Vous avez commencé. Premier problème, c'était avec Dana. Je fais un live ici où je mentionne Dana, Colette Robuka, Marceau. Et toi, ma soeur, et puis l'autre que j'appelle, je ne cite pas le nom ici là parce que là-bas il faut pas citer le nom. Et puis comme ça, elle est quittée. Elle m'avait fait un live jusqu'à. Je n'ai pas répondu. Elle m'a dit que Claire va regarder. Elle dit que je me connais. Si je regarde, je ne sais pas dans quel état de si Satan va me mettre, si dans le feu ou dans l'eau. Donc j'ai laissé passer ça. J'ai dit que aujourd'hui là, vous avez vu, ennemi ou pas ennemi, tout le monde a vu les yeux, pas. Parce que moi, j'évite les problèmes, la plupart des problèmes, c'est les connards et les connasses qui viennent me chercher par l'arbre. Je réponds. Donc, je suis là comme ça. Ma propre grand-sœur a problème avec moi. Je n'ai jamais compris ça. Donc, je dis seulement, Yako, ma grand-sœur, viens me confirmer l'histoire là. Ou Claire, je vais maintenant rentrer dans les détails. Et ce qui a été dit dans mon audio. Oh. L'audio que Claire a écouté là, je suis considérée. Vous me voyez là-haut. Yeah! Aïe, attends, ça. Donc, c'est comme ça, dans l'audio, là, j'écoute, les choses sortent, ouais, enfin, bref, je ne vais pas aller loin. Donc, les choses me sont là-bas, les sons sont dites. Les choses sont dites là-bas, donc, ma grand-sœur, là, a une mauvaise opinion de moi, comme ça, là. L'homme qui te tue ne vient pas de loin. Aïe, aïe, la, 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 aïe, ça va. Non, les Gabonais, on est mauvais, oh. Les Gabonais, on est tellement mauvais, là, le mauvais manque, là, comme ça, là, je te jure. Donc, c'est comme ça, dans le truc, là-bas. Hein? Vous vous rappelez, si par là, il faut venir parler, parce que les gens, là, sont là, l'audio, là. Les gens sont là, je ne fais que répéter, c'est pas moi. Je n'étais même pas au courant, parce que là, mon nom allait jusqu'en Espagne, là-bas. La fille, là, ne me connaît pas. La fille, là, même dit qu'elle m'a enlevé dans les contacts. Elle m'a enlevé dans ses contacts parce qu'elle a vu que j'étais ma boule. Donc, elle me trouve même de ma boule. Et puis, au lieu de me signaler que Carmel, Claire, tu es ma boule, elle préfère m'enlever dans ses amis. Vous voyez les choses comme ça. Elle a dit que quand j'ai vu que toi, on te parle mal, toi, tu continues à l'appeler ma grand-sœur. Je t'ai enlevé dans mes amis. Je dis que, mais tu es normal. Du coup, au lieu de me signaler, tu m'enlèves dans tes amis. Moi, j'allais connaître comment. Donc, elle a dit qu'elle m'enlevait dans ses amis parce qu'elle a dit que j'étais ma boule. Donc, c'est ça mon problème. Je meurs là parce que je suis ma boule. Donc, on me critique, moi, je ris. On m'incite, je ris. Donc, du coup, elle m'enlevait dans les amis comme ça à cause de mon maboulitisme. Je sentais le pleurer pour de vrai. Moi, je suis comme ça. Je passe les émotions comme ça quand je suis énervée.
c'est pas que c'est elle qui me fait pleurer, mais je suis parfois, quand j'aime quelqu'un, moi j'aime sincèrement, et quand je déteste sincèrement, éloigne-toi, je te déteste sincèrement. Voilà, et ma soeur là, je l'aime, hein? Je l'aime malgré encore, et puis j'aimerais qu'elle vienne m'expliquer, hein? Parce que si c'était le cas, c'est pas comme ça, j'allais faire ça, j'allais rentrer vivre, j'allais mal faire ça. Donc je veux savoir, je veux qu'on parle comme les gens civilisés. Donc, ça vient là-bas, mon nom arrivé, avant d'arriver d'abord debout, là-bas, loin là-bas, au clairo, où tu es là, là où je suis là tranquillement, voilà moi qui vous montre maintenant mon vieux lui, 1 mètre carré. Où je suis là quand même là, voilà moi comme ça là, on a dépensé 3 000 euros pour moi, pour que j'aille rencontrer la star internationale planétaire number one du jamais vu, comment je vais qualifier cela, le sommet de la planète Terre après Jésus sur lui, n'a pas fallu des poupas, des poupas. Oh, toi tu as pris 3 000 euros pour aller raconter, on dit quoi, m'a raconté, n'a pas raconté. Ngaïdjaba. Wow, 3 000 euros que j'ai pris, 3 000 euros, elle a dépensé 3 000 euros pour que moi, comme ça, j'aille voir Fali pour pas de mon œil cassé là. Je dis que, ah, on est arrivé à 3 000 euros comment? Mon Dieu, ça c'est que l'histoire que moi, la malchance comme ça là, pour moi-même, je suis en train de faire mon truc d'Akamayon. Je pense que Isaac John était, jamais me proposé aussi Isaac John. À l'époque, je cherchais des artistes africains pour représenter mon association pour faire être parrain. Donc, c'est comme ça, moi, je cherchais artiste. Ma sœur m'a dit que non, j'ai artiste. Moi aussi, quand quelqu'un me dit que j'ai artiste, est-ce que je vais refuser? J'ai artiste. Moi, j'ai proposé, j'ai cherché artiste pour être parrain de mon association. J'ai entendu que j'ai artiste. J'ai dit que, OK, comme il y a artiste, faut me miser à correspondance avec artiste. Faut me correspondre avec artiste. Donc, on dit qu'on va correspondre avec artiste. Donc, moi, je suis contente. Parce que j'ai dit que pour une fois, je vais être en contact avec artistes internationaux africains. Moi, je suis habitué avec nos artistes gabonais, avec ma précédente 12. C'est ma précédente 12, c'est mon artiste préféré. Hein? Même si parfois, les mots se clashent là-bas, en privé là-bas, et ensuite, elle dit que j'ai la grande bourse, je lui manque de respect. Mais il n'y a pas de souci. Au moins, c'est mon artiste préféré, précédente 12. On va danser. C'est la musique de chez moi. Donc, la sœur me dit que non, il n'y a pas de souci, c'est un petit moyen. Je te capte avec mon bras, ma chose. Ma personne. Donc là, les mois sont passés. C'était quand on devait partir aux États-Unis avec ma soeur Natacha. Donc j'avais demandé à l'international planétaire que l'artiste number one après Jésus-Christ que Kokolba, tu sais, comme nous on part au Nebraska là-bas. Comme si tu viens aux États-Unis là-bas, est-ce que tu peux représenter notre association, être parrain? Voilà le but de la rencontre. Ce n'était pas la rencontre que je vais aller faire les choses d'impoli avec quelqu'un. Voilà ma soeur qui a été m'appeler, comme je l'ai dit, que je pars en enfer. Donc elle veut se rassurer si je suis encore sur la planète Terre. Je suis en live, Naomi. Je suis en live. Il manque les problèmes de réseau. Donc c'est tout ça là, tout ça. Je suis en live. Tu m'appelles pourquoi? Je suis déjà sur les extraterrestres là-bas, je te dis, mais je reviens demain, je suis encore ici. Je laisse pour moi, je suis en train de parler avec les extraterrestres. Attends, tout à l'heure, bisous. Donc, et puis c'est comme ça, donc vous avez compris déjà la première action. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de problème, je n'arrête pas de le répéter, je ne suis pas vraiment problématique. C'est seulement que ma personne qui fait problématique d'emblée. Voilà, c'est comme ça. Ma bouche là, quand ça pourrit, ça pourrit. Ma bouche là ne s'est pas fait à peu près. C'est moi qui suis problématique d'emblée. Voilà, c'est comme ça. Oh. Et je meurs parce que j'aime embrasser tout le monde. Et Dieu va me punir à cause de ça. Je me dis seulement que tout ça, c'est Dieu, la faute de Dieu. Parce que Dieu, il a les problèmes là-bas. Si tu savais que le corps que tu mets en moi là va être aussi problématique pour ma personne, il fallait me rendre sorcière. Parce que parfois, je suis sorcière, je préfère encore être sorcière. Tu ne peux pas donner quelqu'un un comportement sorcière et un cœur d'amour. C'est incompatible. Parce que mon comportement, il est ensorcelé et mon cœur, c'est un cœur d'ange. Donc, du coup, Dieu lui-même ne sait pas fabriquer les êtres humains. Bref, on va revenir un peu. Parce que je veux que ma grand-sœur vienne me confirmer ici en comment le nom de ma famille et de mon pauvre voisin se retrouve en Espagne chez une fille que je ne connais pas. Mon pauvre voisin souffre dans la France là. Oh mon Dieu!
Je ne vais pas laisser ça, je ne vais pas prendre la hauteur. On m'a dit prendre la hauteur. À chaque fois que j'ai pris la hauteur dans la résistance, là, on a continué à me piétiner. C'est à cause de ça, je suis 1m50 ici, 1m59. Prends de la hauteur, on me piétine. Prends de la hauteur, on me piétine. Prends de la hauteur, tout le monde me piétine. Va prendre de la hauteur, je prends de la hauteur. Moi, je vous ai dit qu'attaquez-moi, insultez-moi. Mais allez toucher ma famille, mon pauvre mari. Moi, j'arrive étape par étape. Parce que moi, on va danser ici et l'autre. On va danser doucement, on va parler doucement. J'aime des. Aïe, vous ne savez pas, je suis la petite fille d'une conteuse. Ma grand-mère, c'est une conteuse, donc j'ai hérité du don du conte. Donc, je vais raconter l'histoire là dans le contement. Asseyez-vous seulement, attachez vos ceintures. Ma grand-sœur parle là, pardon, faut venir, on va régler les choses en famille. C'est ça la famille, si on va régler en famille, on est en famille. Parce que là, pardon, quand tu vas toucher mon voisin là-bas, c'est bon. Vous savez tous ici, on ne touche pas à ma famille. L'autre là-bas, la petite folle là, quand elle avait touché mes enfants, vous avez vu comment elle est rentrée en transe ici là. Voilà. Donc, c'est comme ça, on a fait la rencontre là, on est parti. De ce que moi, je sais que c'était sorti là-bas, 3-0-0. Aujourd'hui, on a dit que les euros là ont multiplié derrière là-bas, 1000. Il n'y a pas de souci, je te remercie pour les 3000 euros et pour la visite du petit frère de Jésus-Christ que j'ai pu rencontrer là. Donc, voilà, vraiment, je suis désolée pour les 3000 euros que je t'ai fait dépenser à cause de rencontrer même le petit frère de Jésus-Christ là, Ngedjaba, Kokolba, tu sais. Je vais prendre un crédit pour pouvoir te rembourser cela parce que je ne savais pas que la visite là t'avait coûté aussi cher de 3000 euros. Moi-même, comme ça, là, 3000 euros là, j'allais terminer au moins mon terrain que je n'arrive pas à terminer. La maison là, il me faut seulement terminer le chaînage. Je n'arrive pas à terminer le chaînage là. Donc, si j'avais les 3000 euros là, j'allais terminer le chaînage là. Il fallait même donner même ça pour Akamayon. On allait même créer même une petite crèche là-bas. Donc, les 3000 euros là, il faut aller donner le petit feu de Jésus. En plus, il n'est même pas venu à la cérémonie. Donc, du coup là, ça m'énerve même encore pire même que c'est 3000 euros dans l'eau. Donc, je suis perdante. Je suis perdante parce que, un, il n'est pas venu. Deux, c'est 3000 euros qui est parti dans l'eau. Donc là, c'est la souffrance totale. Il fallait me donner les 3000 euros là, cash. Il fallait me donner moi-même. J'allais voir les 3000 euros là que ma petite soeur, vraiment où tu vois là, je t'amène raconter le petit feu de Jésus. Voici 3000 euros. Comme ça, moi, j'allais encaisser les 3000 euros que pardon, je ne veux plus le rencontrer parce que les 3000 euros là vaut plus que la rencontre avec Jésus-Christ, avec le petit feu de Jésus. Comme ça, moi, je partais directement avec les 3000 francs là, aller investir dans la Camayon. Hé, ma petite, ma grande soeur, ça c'est quelle tuerie, tu viens me tuer là. Ça c'est la honte, je suis là, j'ai même honte, je parle même avec la honte. Moi je ne cache pas mes choses. Je suis là en train de parler avec la honte. De toute façon, je t'ai défendu ici, je suis là, quand derrière toi, que tu m'asseures. Ça c'est quelle honte que moi, mon nom va sortir dans la folle de Makoko là aussi, qui sort avec tous les PDG. Ça a dit que son mari c'est PDG là-bas, son mari c'est Ali Bongo. Son mari c'est mon ennemi. Mon nom va sortir dans la bouche d'une folle comme ça. Claire Newman. Emma, c'était le nom là-bas plusieurs fois. Je ne sais pas. Mon nom va faire quoi en Espagne? La pastache. Je ne sais pas si c'est les arachides ou les bonbons. Son nom aussi qui est là-bas. Ma pistache. Les arachides. Ou je ne sais pas quoi. Mon nom va chercher là-bas alors que tu connais mon numéro de téléphone. Moi, je préfère quelqu'un qui se plaint de mon comportement. Comme mes copines là, elles se plaignent souvent que oh, non, Claire, je n'aime pas ta façon de parler. Ça, c'est se plaindre. Mais que quand tu vas critiquer, il y a différence entre se plaindre du comportement de ton ami et critiquer la famille de ton ami inventé. Ça, c'est pas chaud. Donc, je me dis que là, c'est plus d'amitié, c'est pas normal. Donc, c'est moi qui étais sincère dedans là-bas. Et l'autre là-bas, c'est. Donc, je veux comprendre le projet. Hein. Donc, on est là ensemble, on parle. Hein. On est des adultes, on a tous les poils blancs, on a les poils au cul. Donc, on va se dire les choses ici, il n'y a plus d'appel en privé. On va se dire les choses ici, one-one. Si je t'ai offensé, si je t'ai blessé, moi, je suis désolée. Parce que j'en ai marre de souffrir avec les gens sur Internet ici. J'en ai marre. Si je t'ai blessé, oh. Je ne sais pas si je t'ai fait quelque chose de mauvais, à part que je ne voulais pas attaquer maman Colette, ou à part que je ne voulais pas rentrer dans vos bagarres et je n'arrêtais pas de te dire ça, que vos problèmes ne me concernent pas. Je n'ai pas envie d'aller insulter une maman, je n'ai pas envie d'aller faire les problèmes, vos problèmes. Faut m'enlever. À part ça, si c'est ça ma faute, pardon, je me mets à genoux. Je me mets à genoux aujourd'hui là. Faut venir me dire où j'ai fauté. Si c'est ma faute de voir refuser de rentrer dans vos palabres. Ngeja, Bakokolba, c'est moi, ma chérie Coco. Ma chérie Coco de grand sœur. Il faut venir me confirmer le code rouge ici, là, parce que le code rouge que tu as dit là, il est trop compliqué pour moi pour l'assumer, celle-là, dire que non, plan de la hauteur. Non, je suis désolée. 2020, là, on ne prend plus la hauteur. 2020, il y a trop de hauteurs qui ont été pris et je suis toujours 1m59. Hein? Donc, bref. Donc, c'est comme ça, vous avez compris comment je raconte l'histoire. Non? Je suis une mauvaise conteuse. Hein? Mais la personne qui a le sens est sûre. Quand je fais en haut, là, tu bloques là où j'ai arrêté, puis tu reviens quand je reviens.
Donc, c'est comme ça, j'ai terminé de raconter Jésus, moi, je suis venu ici. Première chose, donc, voici la première chose que tu as dit, je veux que tu viennes infirmer ou affirmer. Tu as dit que tu as donné 3000 euros pour que je rencontre le tonton, le petit frère de Jésus, des poupas, des poupas. Et c'est pas fini jusque-là. Ça allait jusque que moi, que je vous voyais là. Natacha, elle est connectée là. Natacha, excuse-moi, c'est que tu m'as donné les conseils d'arrêter. Excuse-moi, ma petite soeur. Natacha, elle est connectée. Natacha peut vous dire que moi-même là, pour aller avec quelqu'un, avec un homme, même si on me drague, c'est qui me dit que, hey, Claire, ma chère, je ne suis pas dedans. Donc, du jour au lendemain, la maman là, on m'a dit que, nah, voilà, moi, comme ça, je suis allée faire avancement de dragologie chez Fali au Poupa. Moi-même, j'ai le numéro de Fali au Poupa là, depuis le col. Même, il m'a invité le jour là qu'on était là-bas. L'homme là m'a touché comme ça là. Si moi, j'étais une bordelle, que quand je vois un artiste, mon corps là fait caca quoi. Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'affleure de déshonneur. Le gars m'a dit que, boy, tu vois, quand tu parles, oui, il n'y a pas de souci. C'est pas de souci, je t'invite, on y va. Tu viens, je t'invite dans une soirée VIP. Appelle-moi, je te donne mon numéro. J'ai le numéro du papa là. Je l'ai jamais appelé parce que si j'étais une brancheuse de branchement, j'allais dire que oh, le petit frère de Jésus-Christ m'a appelé oh, pour aller dans la fête là-bas. Je vais aller au VIP comme ça. Moi aussi, je vais aller être l'engagé des VIP pour sortir avec les présidents, je ne sais pas quoi, les ministres. Ou bien peut-être que j'allais sortir avec le fils de Sesson Dessou. Qui sait? Genjaba, j'ai pris le numéro, j'ai enterré dans mon cul. Même Dana au courant que j'ai le numéro de ça depuis. Je n'ai rien fait, je n'ai rien appelé, sauf un jour, ma petite soeur, Natacha, a dit que, oh, fais-moi la pub auprès de l'artiste là. C'est le seul message, c'est le message d'Angéjaba. J'ai dit à l'artiste que, pardon, il y a ma petite soeur qui a ouvert un restaurant. Comme tu vas à Lyon, il devait faire un concert là. Tu vas à Lyon, pardon, hein. Amène, va manger dans le restaurant de ma petite soeur. Il m'a jamais même, il a seulement fait le pouce liké. S'il allait là-bas, il n'est pas allé. Voici la seule communication que j'ai eue avec le petit frère de Jésus. C'est qu'il était là-bas que moi, Claire Newman, où je suis là, je n'arrive même pas d'abord à aller dans un site de chat pour aller tchatcher. Parce que moi, j'ai horreur des choses qui sont longues. J'aime pas trop parler. Moi, je préfère draguement en de ça. On me dit que où je suis là, j'ai harcelé le petit frère de Jésus pour qu'il me drague, pour qu'il me touma. Donc voilà, moi, je suis là, je suis maintenant quelqu'un qui va harceler les maris des gens pour le touma comme si le voisin, même si le voisin ne me touma pas. Donc, comme ça, là, même, je vais aller touma quelqu'un qui est marié. Moi, j'ai un problème, je ne touma pas avec les hommes mariés. C'est dans ma devise. Natacha les connaît, elle le sait très bien. Je ne bafoue pas cette règle-là. Je ne bafoue pas cet honneur-là que je vais aller détruire le foyer de quelqu'un. Donc, moi, je suis comme ça dans mes problématiques. Je suis bloqué en Angleterre ici. C'est le mari de quelqu'un que je vais aller harceler pour tout avec lui. Je vais aller comme jusqu'à le petit frère de Jésus m'a refoulé. Ma grand-sœur, c'est arrivé là-bas comment? Jusqu'à tu vas me mettre les choses sales comme ça sur mon dos. Ça arrivait comment? Tu pouvais même m'accuser de tout. Tu pouvais même m'accuser même que je ne sais pas que je suis paresseuse. Ça, c'est normal. Je suis paresseuse. Je n'aime pas préparer. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que oh, Claire, elle est paresseuse. Elle n'aime pas préparer. Si au moins tu me disais ça, dit que oh, pour toi aussi, ça, c'est pas un secret. Moi-même, je sais que je suis paresseuse. Même ma fille m'a encore dit, maman, tu es paresseuse. Ça, c'est pas nouveau. On me frappait toute ma jeunesse parce qu'ils savent bien que moi, je ne connais que parler. Quand on dit que va à la cuisine, là, je commence à créer les maladies. J'ai mal au dos. J'ai mal à la tête. Ça, c'est tout. Ma petite sœur Naomi qui est carotée là, elle a fait 2 ans à la maison. Ce sont elles qui préparent. Heureusement que j'ai les grands enfants. C'est mes enfants et mes maris et ma mère qui préparent. Je viens seulement manger. Sauf que j'ai envie de bien manger quelque chose, je mange. Je suis une paresseuse, ce n'est pas un secret. Je n'ai pas un secret, c'est pas fier de le dire, mais c'est comme ça, c'est à cause de ma mère. C'est elle qui m'a éduquée comme ça parce que j'étais son porte-monnaie. J'étais son bébé préféré. Donc du coup là, si on me tape là, elle s'énervait. Il fallait pas me toucher, j'étais la princesse. C'est pour ça que vous dites que je suis une princesse parce que j'ai été élevée comme une princesse. Donc je n'avais le droit de rien faire. Bref. C'est pas grave, mais je sais quand même préparer. Donc, j'aurais aimé que tu me critiques que Claire, elle fait seulement que dormir, hein, ou bien... Naba, que moi, je vais aller harceler un artiste, Naba, je vais faire harcèlement sexuel. Benjaba, comment tu as dit que je draguais? Puf, premier one, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. J'espère que vous avez les carnets, vous avez noté, hein, prenez. Parce qu'il faut qu'elle vienne infirmer. C'est comme ça les problèmes. Moi, j'ai honte où je suis en train de parler de cette histoire-là. J'ai honte. J'ai honte parce que je t'aime. J'ai honte parce que je montre devant les yeux du monde entier que tu es mon ami. J'ai honte de pouvoir dire que, de pouvoir entendre ce genre de choses que tu as fait sortir sur moi. C'est. Ah, Teresa Mali Bongo, j'étais pour moi en 2016 dans le Gabon, tu fais mes trucs là avec mes copines là, tranquillement, je ne connaissais pas les Gabonais. Ali Bongo est venu là-bas à tuer les Gabonais, voilà, moi je suis venu fréquenter l'espèce rare humaine qu'il ne faut pas présenter, mais il n'y a pas de souci, il y a les exceptions. Mais je ne te déteste pas, et je ne t'en veux pas, je veux seulement que tu viens témoigner, parce que les témoins sont là, que tu viens seulement dire aux gens qui sont connectés là, les personnes là, la bigadance, la Zac, la bagarre,
Le bazar, ma bagasse, je m'en fous de vos problèmes de sexologie, c'est pas mon pétarin. Et de la pastache, la pastache ou les arachides qui sont en Espagne là-bas. Donc, mon nom atterrit aux arachides en Espagne. Mon nom atterrit chez la fille de Bongo là, je ne sais pas à quelle planète là, qui est à Marseille. Marseille là-bas, il y a les gangsters. Mon nom atterrit là-bas chez les gangsters à Marseille. Et puis, mon nom atterrit chez le demi, à Isaac Abagake, un demi les PDGistes, un demi les opposants. Je ne sais pas. Donc, toi-même, là, tu ne connais pas mon téléphone. Tu ne connais pas mes copines. Mais mon nom atterrit chez les personnes même que je n'ai jamais vues, même qui ne me connaissent pas. Bon, la banégance, ça permet de Makoko. Donc, on est déjà parenté de Makoko. Bref. Donc, on est déjà la voix. Donc, c'est comme ça, là. Two choses. First, you say me. You give me $3,000. $3,000 for see Jesus. For see Jesus. Because Fali Poupa is Jesus. For see Jesus. You give money. Donc, you say, I'm give Claire Newman 3 000 euros pour si Jésus. Tout. You say, and I am a dragman. I am a dragman harcèlement Fallier pour pas jusqu'à Fallier pour qu'à I am refusé moi. Donc, je suis tellement vilaine que si moi je vais draguer Fallier pour pas comme ça là, il va me refuser que puis comme ça, je vais... quand il m'a refusé, je fais quoi alors? Ça, c'est tout. Three. Ça, c'est la fatalement. D'un côté qui me concerne. Aïe, me dit que moi, comme ça, je pars à Paris, on me saute dans les hôtels. Mon Dieu Jésus-Christ. Mon Dieu Jésus-Christ, au nom d'Abraham de Jésus-Christ. Tout le monde sait que quand je pars à Paris, je dors même dehors parce que je ne sais pas où dormir. La dernière fois, je suis partie avec une résistance. Et sa parente nous a accueillis dans sa maison là-bas. Elle nous a fait dormir dans les escaliers parce que peut-être qu'elle était fatiguée. C'est à cause de ça j'ai arrêté d'aller au Trocadéro. C'est pas parce que je ne vais pas aller au Trocadéro, parce qu'à Paris, je n'avais pas où dormir. Parce qu'à chaque fois, je partais, quand je m'avais marché au Trocadéro là-bas, il faut retourner le soir, aller prendre mon bus. Et le bus là, il faut faire 5 heures de route, il faut retourner à Bercy. Et tu finis de marcher là-bas, tu dois courir, aller attraper le bus de Bercy là-bas. Parce que le train, à partir de 20h, 19h, le train ne passe plus. Donc, tu imagines, si au Trocadéro, là-bas, tu as le goût. Tu as le goût. Et les bus, il y a les bus jusqu'à 23h. Donc, à 23h, il n'y a plus le train. Ce qui faisait que moi, j'ai pris le bus et ça me fatiguait. Donc, du coup, je ne venais plus au Trocadéro. C'est comme ça, la sœur d'une compatriote que nous avait invitée là-bas, un jour, on allait marcher au Trocadéro, on est resté là-bas longtemps, on avait veillé longtemps au Trocadéro, parce que c'est là qu'on a fait les commémorations. Elle nous a fait dormir sur les escaliers de sa maison. Quand pas, je dis que, moi, je ne viens plus à Paris parce que je ne veux plus dormir dans les escaliers. Oh. Je ne veux plus dormir dans les escaliers des gens. Ok, à cause de quoi, même à cause de la descente, je vais venir mourir ici dans la France. C'est comme ça, un jour, je lui ai expliqué le problème, qu'à moi, voilà pourquoi moi, ne viens plus. Elle me dit que, tu ne peux pas dormir dans les escaliers à Paris, chez la maison. Eh, Tanzambie. La seule fois que moi, Claire, là, j'ai dormi dans un hôtel, c'est là, vous avez vu quand je suis partie en Tunisie, là. Et puis, je vous ai montré en direct. Je vous ai montré en direct. Seule fois que moi, je dors à hôtel à Paris, c'est quand je suis allé en Tunisie où vous étiez avec moi, j'ai fait le live. Apparemment, là, je suis la bordelle qu'on baisse dans les hôtels. Donc, on me baisse en vampire pendant que je suis en train de dormir ici. Je suis en train de dormir en Angleterre, ici, à ma chère soeur, là, avec mes enfants ici. Là, ça fait 3 mois ici. Là, je n'ai pas en tout mal avec mon mari. Je n'ai pas en tout mal. Je suis en train de dormir avec le Eva. Mais je ne sais pas par quel miracle. Comment miracle. Donc, je vais comme ça laisser mon mari par comment. Vous-même, vous savez que presque toute ma vie est filmée. Donc, je ne sais pas par comment on va me tout mal dans les hôtels là-bas à Paris, ma grande soeur. Ça arrivait comment. Donc, j'étais témoin. C'était toi, mon placement. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on est comme ça là même? Même me dire même les choses que je peux faire. Voilà, dis même, comme les hommes m'ont dit que je couche avec Isozo Ngondé là, ça je vois encore après ça, si tu me disais même que je couche avec Messire, ou je couche avec John Colossa, ou je couche avec Bob le Fou, ça je vois même encore après ça, même que tu me donnes les noms de mes compatriotes que je couche avec, là au moins c'est direct parce qu'on se fréquente, on se fréquentait dans la résistance. Dis-moi que, oh Claire, tu vois là, Bob le Fou se sont coupés, oh je ne sais pas qui encore, toutes les j'allais accepter. Voilà, même que Thibaut c'est mon copain, j'allais accepter. Ça encore, j'allais accepter, mais dire quoi. Oh, comme ça, je pars dans les hôtels. Oh, je n'ai pas de projet, quoi. Donc, moi-même, je n'ai pas de projet. Je me lève comme ça. Je dis à mon voisin, écoute, voisin, aujourd'hui, je dois aller à Paris parce que je dois me faire sauter. Hein. Écoute, comme ça, je pars à Paris comme ça. On me saute là-bas. Poum, poutou, 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 et puis, je reviens. Eh, Nyambie, ah, katati, Nyambie. Moi, je ne comprends pas les gens quand vous voulez aussi critiquer les êtres humains, là. Essayez de donner des critiques qui sont un peu cohérentes. Hein? Moi-même, là, pour aller à Paris, là, je dis que je n'aime pas Paris parce que je n'ai pas une maison pour dormir. Je n'ai pas une maison, je ne mens pas, je n'ai pas de connaissances à Paris. Les gens que j'ai à Paris là-bas, c'est les gens de la résistance. Et la plupart des résistants, on a foiré. La plupart des gens de la résistance, je n'arrive pas à vous lire, je ne lis pas vos commentaires. Donc, excusez-moi, c'est tout avec les lunettes de sorcellerie que j'ai mis là, c'est pour me protéger. Hein, parce que là. Je sais que
que je n'ai pas les maisons à Paris. C'est pour ça que quand je partais, je faisais les allers-retours, allers-retours, allers-retours. Je n'ai jamais pris pendant la résistance, je vous le dis si je mens, hein, que mon petit frère qui est mort en 2016 se réveille, ou bien que ma mère meurt, je ne sais pas. Depuis la défense, on a fait la résistance, je ne suis jamais allée dans un hôtel à Paris pour faire quoi, ni quoi que ce soit. Soit je dors chez les gens, ou dans les canapés, ma copine ivoirienne, parfois je partais dormir chez sa soeur même. Je commande, elle habite aussi, c'est ça où se boit les villes bizarres là. Tu vas d'abord parcourir tout Paris, tu prends d'abord métro, en plus c'est tram, pour tout ça là parce que tu ne sais pas où dormir. Je partais dormir chez les inconnus pour aller marcher au Trocadéro. Jamais moi, Claire Duman, comme ça, je vais aller à l'hôtel. La seule fois que je suis allée à l'hôtel là, c'est quand je suis allée en Turquie, et en Tunisie, vous avez vu, pour prendre mon train, pour prendre mon vol qui était le matin. C'était il y a février. Vous étiez tous là. Je ne sais pas, peut-être que quand j'ai raccroché le live là, j'ai commandé les stewards. On les appelle comment? J'ai appelé les stewards. Hello, hello, I am a chat black. Disponible hôtel à l'aéroport de Charles de Gaulle. I am disponible pour la baisologie. Peut-être c'est le seul jour là que j'ai baisé avec tous les hommes de Paris. Hein? Pardon, excusez-moi de parler comme ça. Après, je vais supprimer mon live. Donc, si vous voulez enregistrer, ce n'est pas mon problème. Après, je vais le supprimer. Donc, voilà. Force. Tri problème. Vous comprenez? Moi-même seul. Je suis là, je ne suis pas au courant. Tout. Donc là, ça date depuis. Voici les choses que moi, je viens d'apprendre là. Je suis tellement étonnée. Donc, je ne suis pas au courant que moi, on a dépensé 3000 euros pour que je rencontre le petit frère de Jésus. Et que je l'ai tellement harcelé, il m'a refusé. Tri, on me tape dans tous les hôtels de Paris. Voilà. Aka. Voilà, moi, je suis là. Vous êtes témoins, là, les sorcières et les sorciers de Facebook. 2009, j'ai dit que je vais me lancer dans le modélisme. Vous êtes avec moi ici, là. J'ai dit que je me lance dans le modélisme. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Qui n'est pas au courant de mon projet de modélisme ici, lève la main. Jusqu'à ce que je sois en train de vous dire qu'allez-y me voter, je vais aller faire un concours de fashion aux États-Unis. C'est pas fini, hein. Il faut aller voter. C'est encore disponible. Je n'ai pas été sélectionné, mais c'est pendant tout le mois. Hein. Tout le mois, on doit prendre 3 personnes. Donc, allez-y sur Fashion Hero. Vous me votez. Parce qu'à cause de ça, je vais devenir star ici là pour de vrai maintenant. Donc moi, je dis que je revois mes priorités maintenant. La résistance, je viens faire. Si j'ai 100% de temps, je donne la résistance 1% de temps. Le 99% là, c'est pour moi. Parce que mon ennemi, c'est la pauvreté. Je dois bâtir un empire pour mes enfants. Quand je meurs, il faut que mes enfants voient que voici, je suis chef d'entreprise que ma mère a laissé. Voici mon problème que j'ai décidé pour 2020. Donc, pour ça, je dis, je vais tenter partout parce que moi, je suis comme ça. Je suis trop autodidacte. Je fais partout comme ça, papa. Donc, comme j'aime tellement l'amour de si, j'ai dit, Coco, je vais me lancer dans le modélisme. C'est commencé ici, ça a commencé ici en Angleterre. Comme c'est une bonne journée. J'étais sur Internet. J'ai dit que je vais me lancer dans le modélisme. Vous comprenez? J'ai dit que je vais devenir des gens qui font les photos là, les modes là. Comment on appelle là? Gabrielle, Eva Gabrielle là. Elle a la même taille que moi, je dépasse même. Elle était modèle. Donc, je dis, comment si je vais être modèle, je vais aller faire Dior, il y a ma beauté. Je vais aller faire des publicités comme ça aussi. Et on ne sait jamais, peut-être que ça va payer. Comme ça, moi, la fille de ma pour nous, comme ça, là, des Bissielou et des Yang. On va me voir comme ça, grand écran géant. Voici mon nouveau projet que j'ai créé. Vous étiez là témoin. Voilà, moi, que dit que je vais me lancer. J'ai commencé première photo. J'ai appelé. Ici, il y a les agences ici. J'ai commencé à regarder agence de photographes. En ligne, moi-même, j'ai commencé à les m'inscrire dans les agences de photographes, ceux qui m'ont bouffé l'argent. Il y a les agences qui m'ont pris 250 livres, 300 livres. Je suis inscrit au moins dans 4 agences ici en France, ici en Angleterre. Tout ça parce que je dois concrétiser mon rêve de devenir modèle. Je vais devenir modèle international. Moi, je dis ça. Ça, tu dis que quand tu prospectes dans ta bouche, ça va se réaliser. Moi, je dis que je veux devenir modèle de marque. C'est pas prostitute, c'est pas... Je dis, je veux devenir modèle. C'est pas mannequin, c'est deux choses. Être mannequin et modèle, c'est pas pareil. Nous, les modèles, là, même si on dit que porte un gros kangourou, on va mettre ça dans le site Kiabi. Donc, je vais porter le kangourou de Kiabi et puis on me montre. Voici, moi, je me dis que je me lance. Je commence à faire mes séances photos. Je fais mes séances photos, je sais, je mets... Je ne savais pas que là où je vais lancer dans mon truc de modéliste, là, j'ai créé un réseau de concurrence. J'ai créé une rivalité entre ma sœur et moi. J'ai créé une rivalité entre ma sœur et moi-même. Je suis là, je suis ma boule. Je fais mes voyages avec ma petite sœur Natacha. Et si on part à gauche, à droite, je ne sais pas aussi que là-bas, ma sœur m'a déjà pris comme sa rivale. Donc, je vais demander que ma sœur ait.
Donc, même quand tu me félicites, là, 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 que c'est bien, hein, profite. Hein. Donc, tu me félicites, et puis un coup, tu fais les captures d'écran, tu vas envoyer, tu dis que non, je suis en train de te concurrencer. Que je suis en train de lui concurrencer dans les photos. Que toutes les photos que j'ai fait là, c'est la concurrence, je lui copie. Nyambie! Tanzambi, ma grande sœur. À quel moment, moi, je suis là, la concurrence, je ne connais pas. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la jalousie, c'est moi, Mamboutou. Je ne sais pas quel genre de cœur Dieu m'a donné. J'ai décidé d'être modèle. Vous avez vu, je suis allée à Paris, Natacha, là, le jour là, je devais voyager le lendemain. Les photos où j'ai mis, vous avez les photos que j'ai mis hier là. C'était en fin février. Je voyageais le 1er mars. On était le 29 février. Je vous jure que l'agence m'appelle, ils ont vu. À l'époque, j'avais mon profil sur Internet. Je me suis enlevé. J'ai supprimé mon site Internet. J'avais mon site Internet sur Internet. Mon site de modèle sur Internet. Mon portfolio, on appelle ça. Les artistes appellent ça portfolio. Il faut connaître les termes quand tu te lances dans un secteur. Donc, je crée mon portfolio sur Internet. Voilà l'agence qui m'appelle pressée. On était vendredi soir. L'agence me dit, madame, votre profil nous intéresse. On cherche une ambassadrice pour notre marque. Est-ce que vous pouvez venir dimanche? Je dis que madame, dimanche, moi, je retourne en Angleterre. Ah non, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Vous retournez à quelle heure? Je dis que madame, je ne peux pas venir dimanche, mais je viens demain. Je vous jure que j'ai payé 250 € le billet pour aller... Parce qu'on ne sait pas là où ça va mordre. J'avais payé 100 et quelques. Quand je suis partie, j'ai payé 100 et quelques. Au retour, j'ai payé dans les 4. Le retour était moins cher, mais l'aller était cher. J'ai payé près de 200 € pour aller faire ce casting-là. Parce que moi, j'aime prendre les risques. Je me dis, on ne sait jamais. Peut-être qu'en allant faire la photo-là, je vais tomber sur un producteur de films d'horreur qui va me dire que toi, je te prends comme la chacalade dans mon film d'horreur. Hein? Ou bien je vais tomber dans quel producteur qui dit que ta petite taille-là, ou bien ta grosse bouche-là m'intéresse pour présenter le rouge à lèvres. C'est comme ça, dans l'esprit d'entrepreneuriat, de prise de risque, je paye pour moi, je m'en vais à Paris, aller faire mes photos dans une agence qui m'a contacté sur Internet. C'est pas moi qui les ai appelés, la plupart ce sont elles qui me contactent. Vous pouvez m'aller sur le site anglais qui s'appelle Purple, c'est un site anglais. Vous allez me voir là-bas. La plupart des photographes me contactent là-bas. Moi-même, je refuse. Ça s'appelle Purple Plus. Je refuse parce que je me rends compte que mon profil intéresse beaucoup de professionnels. Mais moi, je vise les États-Unis, on ne sait jamais. Donc, je pars là-bas. J'entends là-bas que je publie les photos, j'étais venue de là-bas. J'entends qu'on fait un capture d'écran. La photo, vous avez vu Claire là, elle a vu que j'ai mis la photo. Elle m'a comme si moi dans ma tête là, je vais d'abord aller chercher que oui, ma grande sœur a mis quelle photo aujourd'hui là. Elle a mis la photo là, je vais lui copier. Donc, ça sortit que je fais la concurrence. Et moi aussi, je fais la concurrence avec elle de photos. Voilà l'esprit de ma grande sœur. On fait comme ça, ma grande sœur. Pardon, viens confirmer. Moi, je suis désolée. Là, aujourd'hui, j'ai plus d'aller à gauche. Je ne te déteste pas. Je ne suis pas en train de te sacrer. Je suis pas en train de te manger. Et je ne serai pas les personnes qui vont te manger. Mais je préfère tenir ça ici. Parce que si je t'appelle en privé, tu vas me dire oula, tu sais que les gens me veulent du mal. Oh, Claire, tu sais que tout le monde me veut du mal. Donc, je n'ai pas envie d'entendre encore oula, on me veut du mal. Hein? Donc, là, hein, il faut venir fabriquer. Tu vois le son que je prends là. Ça veut dire que c'est un son où je ne suis pas en colère. Si j'étais fâché, tu sais bien que je n'allais pas employer ce genre de langage. Hein? Donc, la grande sœur dit que moi, comme ça, je me lance dans mon mannequinat pour chercher la vie de sœur là. Je suis en train de la concurrencer. Je suis en train de lui concurrencer. On dit comment la concurrencer. Mon professeur de français, dites le bon mot là-bas. Je suis en train de concurrencer. Pistache, je vais arriver là-bas, non. Je suis en train de concurrencer. Je suis en train de concurrencer. Donc, quand je mets photo, elle fait capture de crédit que non, vous voyez, Claire, elle a vu que hier, j'ai mis cette photo-là. Elle aussi, elle a mis cette photo. Et t'as bien moins goût joué. À quel moment même que moi, je vais perdre même le temps à aller regarder ce que tu as mis pour copier. Je suis en train de me lancer dans le modélisme pour moi, comme ça, à chercher. Peut-être que dans en train de publier pour moi, là, il y a des gens qui me suivent même jusqu'à Guadeloupe. Peut-être qu'il y a un Guadeloupe poulet qui va me déraciner de mon voisin là-bas. On ne sait jamais. Histoire que je vais venir te concurrencer, toi, tu postes tes photos de voyage. Moi, je pose mes photos de mannequin. Que je vais devenir mannequin, je fais la mode. À quel moment je vais concurrencer entre toi, tu montres New York ou Los Angeles. Ou bien où tu es allongé sur le sol, sur la route, là, tu es en train de montrer la route de LA. À quel moment avec la route de LA et moi qui suis dans un studio de photographe, c'est la concurrence.
J'ai mis la tenue. Oh, tu le vois avec la robe là, vous voyez. Elle a vu que j'ai mis la. Elle aussi, elle allait mettre la photo là même tout. Un jour là, je pose une photo. Comme moi là, on peut m'appuyer là, je ne vois pas. Moi, je ne regarde pas les choses. C'est pour ça la pistache, elle a dit que. Elle m'a enlevé dans ses amis parce qu'elle a dit que je suis ma boule. La pistache de champagne. Pistache, les arrachés de champagne. Les arrachés avec champagne. Elle est là, connue. Elle a dit que non, Claire. Moi, je t'ai enlevé dans mes amis parce que tu es ma boule. Tu parles avec quelqu'un qui te parle. Qui te parle mal. Donc, je t'ai enlevé dans les amis. Je dis que toi, au lieu de me dire que. Ta copine que tu appelles copine a été critique. Toi, tu m'enlèves dans des amis. Où est le rapport? Quand tu m'enlèves dans les amis, est-ce que j'étais au courant? Donc, bref. Donc. Ah, Tanzanie. Je suis là dans ma chambre. J'étais à quel niveau? Rappelez-moi, non? Ça me fait rire. J'ai pitié. J'ai mal pour moi-même. J'ai mal pour moi-même. Donc. Donc, c'est comme ça. Moi, je me lave pour moi dans mes. Ton nom, hein, ton nom, la piste. Donc, c'est comme ça, moi, je me lance dans mon. Ma game de chercher les trucs comme ça. Je pars à Dubaï. Vous tous, vous étiez là, Kajou. Vous avez vu que Claire est partie à Dubaï. Non, je saute d'abord. J'avais mis une photo. Je suis en robe. Éloigné faire vers décembre comme ça. Je ne sais même pas, tu voyais la photo monde même de décembre. J'avais mis une photo, je suis en robe comme ça. Mon mari et moi, on était allés visiter, mon voisin. Mon voisin et moi, on était allés visiter le musée le château de Saverne. Voilà, ceux qui sont de l'Alsace, ils connaissent. Donc, on était allés visiter le château. Donc, on va visiter le château comme ça. J'ai mis la photo. Je suis habillée en robe bleue comme ça. Là où je commençais à bien maigrir, je suis habillée en robe bleue. Il y a mon frère Isaac Abaga qui était venu commenter. Il me dit, ah, tu es très mignonne. Fais attention. Hein, tu vas encore rendre jalouse les uns les autres. Je vous jure que sur ma tête, je ne pensais pas. Moi, je pensais qu'il s'agissait de la reine mère. Hein, parce qu'on ne va pas se mentir. Il me dit que, ah, comme la reine mère aussi, elle est moins dans les palabres là. Peut-être que c'est. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Hein, les jaloux vont grossir. Je ne savais pas que. Mon frère Isaac Abagante de dire que non, la jalouse là, hein, c'est ma soeur qui a pris la photo, dit que non, j'ai fait la concurrence avec elle, je suis venue publier ma pauvre photo, je suis allée au château avec mon pauvre voisin et ma famille. Ça veut dire que comme si dans ma vie là, j'ai passé toute ma vie depuis l'année dernière là, à suivre ces photos et à copier, à faire la photocopie de mon côté. Ça veut dire que moi-même, je n'ai pas une personnalité. Eh, la grande soeur, pourquoi tu me fais ça? Ah, Taranza, ma bawona, ça c'est le chef vraiment que j'aime pas. Donc, j'ai fait la photocopie. J'ai fait d'abord un peu. Ça, là, même encore, je peux négliger. Même, c'est pas grave. On copie ce qui est bien, non. Déjà, je vous tiendrai à vous dire, c'est là que... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la concurrence avec quelqu'un. Je ne suis pas le genre de personnes qui font la différence et la concurrence. Moi, je m'inspire de personnes. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je vais faire la mode, comme je vais lancer dans le mode, dans le blog, je vais m'inspirer des meilleures blogueuses. Je vais prendre leur exemple, je vais prendre une touche. C'est-à-dire, je vais prendre quelque chose de positif qui va m'apporter du positif. Je ne vais pas faire une concurrence malsaine des vêtements parce que, on n'a pas la même corpulence. Qui peut aller, ne peut pas m'aller. Je suis courte. Et puis, je suis féministe, je ne peux pas aller faire la concurrence avec quelqu'un qui n'a pas la même morphologie que moi. Je ne peux pas, je suis désolée. Donc, je n'ai jamais eu cet état d'esprit. Ma petite soeur Natacha, c'est une belle femme, une très belle femme. Quand elle s'habille, je suis désolée, quand elle s'habille, elle a de cet habillement. Et pourtant, je sais que les vêtements que Natacha porte, je ne peux pas lui demander que tu as acheté ça ou parce qu'on n'a pas le même corps. Je ne peux pas lui demander que je veux la même chose parce que cet habit qu'elle porte ne m'irait pas. C'est tout simplement de la jalousie malsaine. Je ne peux pas voir quelqu'un avec une bordure. T'as acheté ça ou je veux aussi la même chose. Non, elle a une morphologie bien, structurellement bien. Et moi, je suis amplement rempli avec tout ce qui est africain. Bref, j'ai encore argumenté un peu. Donc, elle a dit que, voilà, moi, comme ça, là, j'ai fait copier-coller de la mode. Yako. Donc, du coup, moi, qui j'ai peur, je suis en train de passer mon temps à perdre mon argent dans les agences. J'ai peur les agents jusqu'à... On allait me balancer à Dubaï, là, pour aller voir les fesses des gens tous les jours, tous les soirs. J'étais en train de regarder les cacas des gens. Hein? À Dubaï, là-bas, j'étais tranquille, en train de voir les blanches là tous les jours, en train de monter les fesses. Moi, vous avez vu ici, j'ai pleuré même que je suis fatiguée de regarder les petits moutons, les petits katas des blanches là qui me fatiguaient. Tout ça, j'ai payé l'agence qui m'a amené à Dubaï. À quel moment, dites-moi, ma grande soeur, dis-moi à quel moment une agence t'a envoyé aussi à Dubaï que j'ai copié ton voyage de Dubaï.
Quelle agence qui t'a envoyé à Dubaï où nous sommes ici, nous tous ici, que moi je vais copier, je copie tes voyages, que moi aussi, comme je te vis, tu es parti dans le Makina là-bas, moi aussi je copie, je suis aussi allé à Dubaï. Fort. Après, oh, je suis allé en Tunisie là, quand elle est allée au Maroc, je copie ses voyages. Je suis là, je vous dis ça, tout ça à cause d'Ali Bongo. Tout ça, c'est à cause d'Ali Bongo. Parce qu'avant que vous rentrez dans ma vie là, moi j'étais pour moi, je faisais mes voyages tranquille, tranquille. On va montrer les passeports ici là, c'est mes passeports. Je n'ai pas de visa de 2016 ou de 2014. Je l'ai caché depuis 2012, 2013. Donc je n'étais pas encore dans la résistance. C'est parce que j'avais jugé bon que non, je rentre dans un combat. Donc ma vie de croucou là, je vais structurer ça, je vais vraiment me canaliser sur son combat parce que je pensais qu'on va faire le combat là, dur, et puis on va finir vite avec Ali Bongo. Je ne savais pas que ça va faire long métrage comme ça. À cause de long métrage comme ça, je me suis oublié au milieu de la route. À cause de long métrage de ce combat de la résistance, je me suis oublié. Donc, à cause de m'oublier comme ça, les gens ont cru que j'étais vraiment. Donc, quand je vais recommencer mes sauts là, je suis dans le copier-coller maintenant. Je suis en train de copier toute la planète qui s'habille, toute la planète qui voyage. Donc, moi-même, comme ça, je ne savais pas comment on voyage, je ne savais pas comment on s'habille. Quelqu'un va faire pamphlet là-bas, les gens s'habillent sur internet. Donc, avant que là-bas, comme je suis nu là, je suis nu. Mon grand frère m'appelle. Eh, vraiment, faut pas venir me donner des leçons de morale. Mon grand frère, pardon, excuse-moi. Pardon, parfois, quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, là, c'est bon. Je ne clash pas. Oh. Mais je suis quand même dessus parce qu'il y a des choses qui sont sorties dedans qui m'ont blessé. Je suis obligée de le dire. Il y a des choses qui sont sorties. Je considère que quand on est amis, on ne va pas là-bas. Moi, je vous le dis, je me plains souvent du comportement des amis. Si on s'est disputé, je me plains. Je vais aller voir une amie. Elle m'a fait ça. Elle va dire, peut-être c'est pas mal. Je me plains souvent du comportement des amis, mais je ne critique pas. Critiquer, c'est mal. Donc, et puis, il y a critiquer et inventer. Et là, je me rends compte que je ne sais pas à quel niveau j'ai fauté. Je ne sais pas à quel niveau j'ai fauté. C'est pas fini. Oh. Moi, je ne veux pas rentrer dans vos problèmes. Donc, j'ai copié les voyages aussi. Donc, j'ai copié la mode. Donc, peut-être que je ne sais pas par comment j'ai copié. Donc, 2000, j'ai encore mes premières photos avec mon photographe ici. Le photographe là, l'agence là m'a coûté 150 livres. Je suis inscrit dans 3 agences. Je peux vous montrer le contrat. Danger. Danger est témoin, le dernier contrat que j'ai signé avec une agence, Danger et Wally Wally. Comme je ne parle pas bien anglais, on était en train de me faire signer un contrat là. Je dis que hey, je ne vais pas aller signer le contrat, peut-être je vais aller signer ma mort. Hein. J'ai appelé Danger. Oui, parce que Danger, moi, on s'appelle bien, c'est mon frère. J'ai appelé Danger, on était au téléphone, dit que hey, le grand pardon, dis à la dame là de parler à l'anglais, t'as qu'à me traduire. Il dit, traduis-moi ça. Donc c'est Danger qui me traduisait, c'est que l'agence là me disait que non, on va prendre votre profil, on va présenter votre profil aux professionnels, aux agences, aux magasins, aux télévisions. On va présenter comme ça, s'il y a les télévisions qui veulent vous contacter pour les pubs, s'il y a les magasins ou bien Primark qui veulent vous contacter, ils vont vous contacter, mais tu dois nous payer. Donc là, je payais, le jour là, j'avais mal au cœur. Je payais 300 livres cash. Vous savez que 300 livres, là, ça fait à peu près 400 euros. J'avais mal au cœur de qui est éclairé à cause de ma passion de devenir modèle. Là, je vais gaspiller beaucoup d'argent. J'ai gaspillé 300 livres comme ça. Vous pas, Danger est témoin. Témoin en ligne. J'ai payé. Je voulais même d'abord dire que on me paye fraction. Elle me dit que si vous payez une fraction, amenez votre profil professionnel. Jusqu'à aujourd'hui, là, les escrocs aussi, j'ai seulement eu deux contrats. My profil, no go professionnel. Vous voyez, les choses comme ça, là, même les Anglais sont aussi escrocs. Donc, moi, je m'avais fait mes choses là-bas. J'entends dehors, c'est là que je suis dans la concurrence avec ma soeur qui fait les photos de voyage de planétaire. Toi, tu fais voyage planétaire. Moi, je cherche argent pour devenir star. Où est la comparaison de tentative de comparaison de copiement de concurrence? Hein? Elle intervient à quel moment? Toi, tu montres le monde entier, c'est normal. Moi, je vais montrer comment gagner l'argent à ma famille, comment devenir star. Que je deviens, quand je vais devenir star, là, que tu pourras encore bien voyager avec moi, peut-être que tu seras même peut-être ma manager. Au lieu de m'encourager que non, je vais être la manager de la petite là quand elle va devenir star. Toi, tu prends là-bas, tu dis que oh, je suis en train de te faire concurrence. On va faire concurrence comment, ma grande soeur. Ça, c'est quelque chose encore, les choses bizarres comme ça là. On ne fait pas ça à sa petite soeur qui t'aime beaucoup. On ne fait pas ça. Donc, c'est passé là-bas que je suis dans la concurrence avec ma pauvre grande soeur que j'aime de tout mon cœur. Là, malgré tout cela, je vous jure que je l'aime toujours. Même, j'ai même dit à Dana que j'ai mal au cœur. Quand on me trahit, c'est comme ça. Je suis bizarre. Il ne faut pas trop me trahir. Je ne sais pas comment agir quand on me trahit. Ah, Dieu d'Abraham. Je ne sais pas trop comment agir. Donc, je suis là, je suis en train de cogiter, même s'il faut crier. Je suis obligé d'avoir la patience. C'est la patience. Natacha, elle est fâchée, elle va m'appeler. Elle m'a dit que laisse, ignore. Je dis que Natacha, pardon, il faut me laisser. Je n'ai même pas répondu. Elle m'a laissé un gros message là-bas. Natacha, elle ne blague pas, elle est seulement là. C'est ma bonne petite conseillère.
Ma bonne petite, le jour que elle aussi, le jour que Natacha va me trahir, comme vous voyez tous les jours que Natacha, je l'aime de tout mon corps, là, c'est mon édine, c'est ma soeur, c'est ma vie, c'est. Le jour que elle aussi va me trahir aussi, c'est fini, je vais directement quitter la Terre là, je vais quitter la planète Terre, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus une personne normale dans la Terre là, tout le monde est trahi, hypocrite, hypocrite. Donc tu as averti, le jour que tu vas me trahir là, ah maintenant, je viens d'abord, je te colle d'abord, je te colle au col, je viens de te frapper même. Le jour là, je n'ai pas fait la vidéo, je viens de te frapper toi-même, je finis de te frapper et puis je disparais de la planète Terre. Bon, bref, je ferme la parenthèse, je continue. Donc, on a terminé, c'est long l'histoire là. Eh, moi, j'étais vraiment une mauvaise conteuse. Donc, du coup, on a déjà trois problèmes ici, non? Premier problème, oh. Oh, premier problème. Claire, nous avons des... Attends d'abord. Nous avons des vrais problèmes. Non, Aïe, il ne faut pas venir dire ça. Je m'en fous des problèmes. En ce moment, je m'en fous des problèmes du Gabon. Moi, c'est un être humain. C'est quel vrai problème que tu veux me donner au Gabon là-bas? Quel est le vrai problème qu'on va m'insulter, on va insulter ma famille? Je vais laisser que tout le monde vienne m'insulter parce qu'il y a des problèmes au Gabon. Les gens du Gabon ne sont pas des êtres humains. Hein? Les gens du Gabon n'auraient pas leurs problèmes. C'est moi qui vais sauver le Gabon. Les gens de Gabon qui n'arrivent pas à se sauver, que je vais laisser que les gens viennent m'insulter ici parce qu'on a les vrais problèmes au Gabon. Quel vrai problème? Chacun règle ses problèmes dans la ville en ce moment-là. Je dis ça ici aux Gabonais. Quand ils vont prendre les bois de sardines là-bas, c'est mon problème. Hein? Chacun règle ses problèmes. C'est notre pays, nous tous. Donc, comme on a réglé les problèmes du Gabon là, donc je reste. À cause de ça, même on m'a insulté. Si vous avez vu comment on m'a insulté dans les réseaux sociaux ici, tout le monde m'a insulté ici. On me dit qu'on a les vrais problèmes. Il n'y a que moi qui dois prendre la route. On a les vrais problèmes. Oublie. On a les vrais problèmes. Mais les gens qui m'insultent là, ils ne savent pas qu'on a tous les. Oh, c'est le Gabon, c'est pour nous tous. Nous tous, c'est notre pays, nous tous. On doit tous le délivrer. C'est moi qui dois prendre la route parce qu'on a les vrais problèmes. On a tous les faux problèmes parce que le vrai problème, c'est Bongo. Personne ne veut régler ça. Donc, le long métrage à cause de Bongo, là, c'est à cause de long métrage là que nous sommes aujourd'hui à fréquenter. Les gens aujourd'hui t'appellent ma soeur. Demain, ils te disent que non, je me fais la bordelerie dans les hôtels à Paris. Hein? Et puis, je vais seulement qu'elle vienne m'expliquer. Vous savez, quand je suis fâchée, est-ce que c'est comme ça que je parle, vous aussi. Vous devez déjà me connaître. On s'est fait il y a 4 ans, on est mariés, vous et moi ici. Non, en ce moment-là, j'ai envie de dire que les problèmes de Gabon, il n'a qu'à aller à côté. En ce moment, j'ai envie de dire que chaque Gabonais règle ses problèmes. Hein? Voilà. Parce que les Gabonais là-bas, on va leur distribuer les boîtes de sardines et puis ils quittent. Ah. Parle, je vais quitter d'ici, pardon. Tu peux même partir. Quand tu vas quitter, il va rester 171. Tu n'es pas obligé de rester, Olivia. Donc, Ah, lis tout le message, pardon, je me suis arrêtée au début. Excuse-moi, ma chérie. En tout cas, tu es au courant déjà. Il n'y a pas de souci. Donc, faire ce problème. She said me, I am a borderless. I am a borderless. I don't know, you say borderless. I am a borderless. Tout problème. I am a copier travel. I am a copier travel because I am a faire la concurrence. Three problème. I am a copier piqûre. Piqûre n'a pas photo. I am faire la concurrence dans ma photo. She point to she photo sur your Facebook. I am party your profil. I am copier. I am faire same photo. Donc, I am three problem déjà now. For three, she give me money, big money de 3000 euros because I am rencontrer Jesus. I am rencontrer Jesus. You know me? I have a four problem. Voilà, I am rencontré Jésus for 3 000 $. Donc, I am angry because si you give me 3 000 $, I am donné à Kamayon directement. I know rencontré Jésus because Jésus, you know, give me a solution. Bref, Jésus, tu es calé. Jésus, you know, give me solution. Donc, c'est comme ça on arrive maintenant en Espagne là-bas chez la pistache. Chez la pistache, man. On arrive en Espagne, chez la pistache. Donc, tu es parti en Espagne là-bas, on a vu les photos, oh ma soeur, oh machin. Moi-même là, des fois je like, des fois, oh, voilà, on passe parce que c'est pas la vie seulement. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, comment vous avez fait d'autres conversations là-bas, comment se sortir là-bas. Faut que là, que la pistache dit que je suis ma boule, elle aussi, elle est ma boule là-bas. Eh, la chirurgie, attends. Eh oui, ah merci ma petite soeur Dana. Ah, tu sais, il faut me rappeler les épisodes. Tu sais que c'est tellement long, beaucoup de choses sont sorties que ma tête, je saute. Donc, vous avez vu ici que je vais aller faire la chirurgie. L'avantage avec les personnes comme moi, c'est que nous, on ne cache pas nos choses. Nous, on n'est pas là à faire la vie. Moi, je ne cache pas mes choses. Vraiment, à part quand je vais aller, tout le monde s'est caché. Donc, mais la plupart de mes choses sont dehors. Même Dana m'avait dit que quand tu vas être opéré, il ne faut plus dire aux gens, va en secret. Je dis que, ah, quand même, je dis que je vais en secret, je vais encore venir vous parler ici.
Le jour que j'ai décidé que je vais devenir bimbo, j'ai décidé devant les résistants, devant vous tous ici, que je vais devenir bimbo devant tout le monde. Que je vais me refaire mes seins, je vais me refaire mon ventre, je vais me refaire mes bras, je vais me refaire mon double menton. Je vais peut-être, depuis que le petit mien est là, m'a insulté mon petit cul contre plaquette, à cause de lui-même, je vais maintenant ajouter encore les fesses. Parce que je n'avais pas l'intention d'ajouter les fesses. Maintenant, je vais aller mettre la graisse aux fesses. Donc, comme ça, je vais devenir une grande bimbo ici. De gros, je vais mettre les gros seins, je vais mettre tout. Voilà la sœur qui fait les... Quand elle fait, quand vous voyez, elle fait ce poste là-bas. Moi, je ne savais pas que c'est pour moi. Oh. C'est aujourd'hui que je suis que tous les pamphlets là, c'est pour moi. Oh, le corps plastifique, plastifiquement plastifié. Je ne sais pas comment on dit ça. Ngejaba, le français, vous savez que moi, Molière aussi, c'est deux catégories de choses. Oh, elle a le corps plastifiquement plastifié, pas de bistouri. C'est moi qui est en train de dire bistouri. Que moi, là, j'ai déjà subi le bistouri. Comment là, mon corps est clairement déformé avec le bistouri. Donc, j'ai subi le bistouri. Donc, ma sœur me lance les pamphlets qu'il ne faut pas bistouriser. Je dis, oh, toi au moins tu as eu la chance que Dieu t'a donné tout le bon cœur possible, que tu n'as pas besoin de bistouri. Ma soeur, est-ce que tu es obligé d'aller me lancer pamphlet que je vais me bistouriser? Si je me bistourise là-bas comme ça, c'est pour moi, moi aussi je vais être bien dans mon bien-être. C'est-à-dire que je vais arranger mon gros ventre là qui tombe là-bas parce que j'ai le ventre bizarre, il est tordu, l'ombril en envers là-bas, à l'envers, on dit quoi, à l'envers ou en envers. Mon ombril regarde à gauche, je ne sais pas, et tiens, le pupille là-bas qui n'est pas bien placé. Les seins là, c'est 18h30, donc je vais les monter comme ça et puis augmenter. Moi, je vais me lancer dans la mode. Donc, toi et moi n'est pas pareil. Toi, tu fais photo pour montrer aux gens. Moi, je vais faire photo pour gagner de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, on sait que pour gagner l'argent dans la photographie, il faut être une bimbo. Donc, moi, j'ai décidé d'être une bimbo. Est-ce que j'ai honte de ça là? Qui tue qui ici? Qui me paye? Quand je vais mourir, vous allez mourir avec moi dans le même cercueil. Ça dit que même si je mets les caoutchoucs dans tout mon corps là, quand on va m'enterrer, vous allez mourir avec moi. C'est quoi votre problème? Donc, j'ai décidé de mettre les caoutchoucs partout dans mon corps. Enfin, sauf les seins là, je vais aller mettre la graisse là-bas. Je vais aller prendre la graisse dans tous mes bras là-bas. Je vais mettre là. J'ai décidé de faire plastiquement plastique. Et puis voilà, je viens d'ajouter, je vais aussi faire le nez, je vais avoir le petit nez là. Donc j'ai décidé de faire plastique, comme ça on ne va plus me reconnaître. Comme je vais descendre au Gabon là-bas, ils ne vont plus me reconnaître. Même la bouche là, peut-être je peux faire la petite bouche comme ça, on ne sait jamais. Voilà ma soeur qui commence à lancer les pamphlets là-bas. Elle est pour dans, ses, dans son corps plastifiquement plastique que Dieu t'a donné à ma grande soeur. C'est vraiment une bonne chose parce que tu as un beau corps. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, tu as vraiment un corps magnifiquement, tuantement tué. Donc moi, je n'ai pas tuantement tué. Où vous me voyez là, c'est les habits seulement qui me cassent. Si je me mets nu comme ça, tout le monde va faire que merde alors. Oh putain, mais elle est tellement vilaine. Donc moi, je vais l'enlever que quand je vais me mettre dehors comme ça, les gens vont tomber que comme les mouches là. Je ne sais pas si vous avez suivi la série là. C'était un film où il y avait une dame, elle était une déesse. C'est-à-dire quand elle te regarde, elle sourit comme ça. Tout le monde tombait amoureuse. Voilà, je vais comme ça là. Ça dit quand je passe comme ça que poum, mes gros seins là, les gens tombent comme ça que poum. Voilà, moi je dis que je vais faire chirurgie. Voilà, toi qui prends ça comme palabre ici que non, oh, je suis esthétiquement bien rembolé. Mon ami, on est arrivé là-bas depuis quand toi et moi? Moi je vais pas rentrer les âges parce qu'on n'a pas besoin d'âge pour être mentalement tordu dans la tête parce que l'âge n'est qu'un état d'esprit. L'âge n'est qu'une option ou une option dans la vie, ce n'est qu'un état d'esprit. C'est-à-dire qu'un gamin de 20 ans peut avoir l'esprit d'un homme de 70 ans. Donc, c'est un état d'esprit personnel. Donc, moi, je ne vais pas rentrer là. Tchak, là, c'est pas mon problème. Parce que moi, je suis là, je suis bipolaire. Parfois, j'ai un esprit de 15 ans. Parfois, j'ai un esprit de 60 ans. Parfois, j'ai un esprit de bébé. Voilà, donc je ne peux pas parler d'âge. Donc, l'histoire que moi, Claire Newman, j'ai décidé que je vais aller faire ma plastique, comment le plastifier. À quel niveau, toi, tu vas faire tes photos dans les piscines? Moi, il y a longtemps, je ne me suis jamais mis dans le maillot. Vous avez vu comment j'étais en maillot en Tunisie, là, à Dubaï, là-bas. Je cache même les fesses. Parce que moi, j'aime dire mes choses, je connais mes défauts. Je n'ai pas un beau corps, j'ai un corps arqué, j'ai les pieds bancals. C'est comme ça, je suis musclé, je suis rempli. Je ne vais pas le cacher, vous le voyez bien quand je porte les jupes. Je ne suis pas quelqu'un... En fait, j'aime mon corps comme il est. Je n'ai pas de... Je ne me refuse pas, je m'aime comme ça, mais je veux plus. Je n'arrête pas de dire ça. Je m'aime comme je suis, mais je veux plus. C'est ça la différence. C'est-à-dire, mon corps, je n'ai pas de tabou pour mon corps, mais je veux plus. Je n'ai pas honte de mon corps, mais je veux plus que ça. Je veux que quand tu me regardes le profil comme ça, là, hein, quand tu me regardes le profil comme ça, je veux que ça fasse un profil bien fin. Voilà, je le dis ici. Je veux que quand je ris comme ça, ça soit les dents toutes blanches. D'abord, je vais aller en Hongrie, aller refaire mes dents. Je vais aller faire les dents bien blanches comme ça, les facettes. Je veux ça. Et c'est simple. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire, oui, voilà, moi je suis naturelle. Vous passez le temps dans les bistouris. Eh, ma grande soeur, on est arrivé là-bas comment? Pourquoi tu es comme ça là? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que non, Claire, je n'aime pas que tu ailles faire l'opération chirurgicale? Tu vas me critiquer chez quelqu'un que je ne connais même pas, qui m'a enlevé dans ses amis à cause de ça. Il faut me faire la demande d'amis, la pistache de l'Allemagne, là, de champagne. Il faut me faire la demande d'amis, là.
Parce que tu m'as enlevé dans les amis bizarres, là, il faut me faire les demandes d'amis. Comme ça, je vais aussi t'insulter. Parce que tu ne peux pas m'enlever dans les amis. Tu vois qu'on est en train de manger une soeur gabonaise. Au lieu d'appeler deux soeurs gabonaises, ah Claire, j'ai vu que tu as mis avec Paola. Voici ce que Paola est en train de te dire. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, en fait, tu m'enlèves directement dans les amis. C'est quoi le problème? C'est quoi le projet? Je continue. Donc, je suis arrivée à quel niveau? Non, laissez-moi tranquille. Pardon, vous les Congolais, laissez-moi tranquille avec mes problèmes. Hein? Laissez-moi point tranquille. Donc, voici ça encore. Dana, j'ai encore oublié quoi. Pardon, comme j'étais en haut là. Tu sais que j'ai pas longtemps. J'ai encore oublié quoi. Tu as encore donné un truc. Parce que nous, on a écouté. On a déjà les walk, loco, les walk, les mangles là-bas. On a les walk. Hein? J'ai des gars encore. Si Dana a dit quelque chose, vous avez dit, puis ça, que, à cause de ton maboulististe là, il t'a bêté que j'étais bloqué, je te jure. Les gens m'aboulent comme ça. Au lieu de me signaler, tu me bloques. Ça, c'est quel rapport, ça? Ça n'a pas de rapport. C'est sûr que toi-même aussi, tu m'as critiqué là-bas. Et puis comme ça, tu n'as pas digéré que de me critiquer, tu me bloques. Et c'est pas la première fois. Quand j'étais partie chez Natacha là-bas, l'inauguration de... Oui, l'inauguration de... Le restaurant de Natacha. Il y a une pareille qui était venue me dire comme, oh, Claire, je t'ai détesté, hein, sans problème. Les gens me détestent comme ça, sans raison. Hé, hey, Dieu d'Abraham, moi, j'ai un karma fort, hein. Vraiment, tout ça, c'est la faute de Jésus. Voilà, on a terminé pour les dents. Ça fait combien? 5 palabres, non? Ça fait 5 palabres. Après, je vais venir maintenant conseiller, parler tranquillement. Ça fait 5 palabres. Donc, on arrive maintenant là où il ne faut pas toucher. Vous savez, chez chaque être humain, il y a des places où il ne faut pas toucher. Chacun de nous a une faiblesse. Ma faiblesse, c'est ma famille. Je n'arrête pas de le dire ici, vous le savez très bien. Vous l'avez si bien vu lorsque les résistants m'ont tendu un piège en me menaçant qu'ils vont aller tuer ma mère au Gabon. Lorsqu'ils ont poursuivi mon frère avait disparu. Vous êtes témoin, si vous vous rappelez encore, parce qu'il était encore résistant, il avait fait partager ça dans son 241. Lorsqu'ils ont, les gens ont failli kidnapper mon frère. Kidnapper mon frère. Pendant 2 jours, on cherchait mon frère. Vous êtes témoin ici. À partir de là, j'avais enlevé ma mère en France. J'avais fait un visa à mon frère et ma mère. Mais vous connaissez les consulats, ils ont refusé le visa à mon frère parce qu'il ne travaillait pas. Donc, ma mère était venue. Ma mère est en France ici, tout simplement à cause des bâtards de vous, des résistants. Vous avez commencé à me faire des menaces ici, là. Et au sortir, on avait découvert que c'était les résistants qui me menaçaient. C'était ce qui me faisait les jeux à la con jusqu'à ce que j'ai enlevé ma pauvre mère au Gabon. Elle atterrit ici en France où la France est en train de l'énerver déjà ici. Donc, je fais venir ma mère ici en France. Et je vous dis souvent que moi, mon truc, il ne faut jamais toucher les membres. Soit j'ai deux comportements. Ou je m'énerve, ou je me tais. Si je me tais, ne le prends pas comme une faiblesse. Prends-le tout simplement qu'elle vient de m'épargner la prison, ou bien elle vient de s'épargner elle-même la prison. C'est vraiment l'un ou l'autre. Vraiment, si le slang de Claire veut dire elle vient de m'épargner la prison, ça veut dire que tu vas me tuer, ou bien tu vas me frapper, ou elle-même vient de s'épargner la prison. C'est un. Ce n'est pas que j'ai peur ou quoi que ce soit. Et quand l'autre Big Mama m'avait fait la même chose, je l'avais fait le post le lendemain en disant que si je ne te réponds pas, ça ne sert à rien que je vienne te montrer ma force de frappe parce qu'on va gâter le terrain. Et c'est comme ça, je suis. J'ai laissé. On est là, tranquillement, tranquille. Je vous ai expliqué le truc de Paris, que je n'ai personne à Paris. Donc, j'étais en Angleterre. Je devais rendre les vacances avec Yvan, devait partir les vacances en France, dans mes voyages là. Je lui ai dit que je rentre en France. Mon train est le lendemain. Elle me dit, Claire, au lieu d'attendre à la gare, j'ai une maison, viens à la maison. Viens à la maison. Je dis, il n'y a pas de souci. Oh, tu es ma soeur, tu ne peux pas aller dormir, machin. Tu es chez moi, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Toutes les personnes qui me connaissent, que mes connasses de copines d'avant, je suis obligée de les insulter parce que comme ça, comme on ne s'entend plus là. Que mes anciennes copines là, de la vie normale, de la vie avant la résistance, vont vous dire que Claire a du mal à demander service. Je ne demande pas de l'aide. J'ai vu ma copine ivoirienne, elle est là, vient de se commenter, Cynthia. Ma copine ivoirienne a fait 6 mois ici chez moi. Elle va vous dire qu'on avait il y a un Congolais et il y a un Martiniquais ici. À chaque fois, elle demandait de l'aide pour... Elle voulait qu'on leur demande un service, aller nous faire les courses et tout comme ça. Elle dit, Cynthia, je n'aime
pas demander de l'aide, même si on est dans les problèmes. Je dis, je suis un garçon manqué. Je me levais, dit que je range moi-même l'ampoule qui est grillée. Je préfère ranger moi-même mon ampoule. Le lit s'était cassé. Je préfère moi-même prendre le marteau, taper mon lit que de demander un service à quelqu'un. C'est ma fierté. Je n'aime pas emmerder les gens parce que tout simplement, j'ai compris que quand tu commences à demander une fois, deux fois, mon ami, même si tu m'as donné, même si c'est toi-même qui allait m'enlever en prison, tu vas dire que Claire t'a supplié de l'enlever en prison. Voici où base ma dignité, parce que je n'ose pas demander les gens les services, parce que je connais l'être humain. L'être humain, même si c'est lui qui est venu te délivrer, il va te dire que c'est toi qui allais lui chercher en enfer pour qu'il te délivre. Claire, je suis là, je ne demande rien à personne, rien. Si ce n'est peut-être les amis intimes, j'ai envie de dire que qu'est-ce que je peux me demander même. Voilà comme Natacha. Natacha dit que c'est elle qui m'a envoyé la perruque là. Elle dit que Natacha, je m'en vais à. C'est presque ça. Je vais à Dubaï. Pardon, envoie-moi la perruque. Elle m'a envoyé une perruque de 300 euros. C'est là. C'est Natacha qui m'a envoyé 300 euros là à la tête. Wali. Wali m'envoie les perruques. Je suis allée chez elle là-bas aux États-Unis. Elle m'a donné plus de 4 perruques de 250 euros. Wali. Donc, même ça, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je n'ai pas demandé, elle me donne ça gratuitement. Donc, j'ai du mal. Sauf Natacha dit qu'écoute, là, je vais à Dubaï. Là, je veux une nouvelle perruque. Les perruques que Wali m'a envoyées, là, elles sont déjà vieilles depuis 2 ans déjà. Envoie-moi une nouvelle perruque. Natacha m'a envoyé la perruque que je suis en train de gaspiller là. Crouc, près de 300 euros que j'ai à la tête. La ma sœur m'a envoyé ça. C'est en fait, je sais qui demander. Parce que j'ai du mal à dire que je m'en vais chez quelqu'un, je vais aller demander une amie quelque chose, et puis demain, Claire m'a demandé. J'ai horreur de ça. Je ne demande pas les gens. Je ne demande pas. Même mon mari me dit ça, des fois je suis malade, il me dit, je dis que je ne veux pas. Je ne veux pas, si tu as envie de m'aider, tu m'aides. Parce que je ne veux pas demain. C'est grâce à. Tout ce que j'ai, c'est grâce à moi-même. Si ce n'est pas la sueur de mon front, c'est la sueur de mon cul. C'est la vérité. On ne va pas se mentir. Je n'ai pas ramassé mon mari dans une église. Il m'a trouvé dans une boîte de nuit. Il m'a ramassé en France. Qui dit boîte de nuit, vient dit mon cul. Donc c'est à cause de ça qu'il m'a mené ici. Si ce n'est pas la sueur de mon front, ça veut dire que je travaille. C'est la sueur de mes fesses que je ai tout ce que j'ai. Ça veut dire que lorsque je profite de mon téléphone, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a acheté, c'est moi-même. Je ne vais pas aller demander à quelqu'un que, oh yo, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Non! Parce que je suis tellement fière de moi. Je suis une maniérée. Je suis une degrée de maniérée que même si c'est de mourir, je suis très maniérée, je vous le dis. Mais j'ai un peu l'humilité qui me fait que je respecte les autres. Mais je suis très maniérée. Je suis très, très fière. Je peux mourir là. Tu ne peux pas savoir que je meurs. Je ne te demande rien du tout. Parce que je me réserve de l'éducation que j'ai reçue de mes aïeux. Papy, tout le monde pouvait être en souffrance qu'on n'a rien à manger. Mon grand-père, chef du village, ancien combattant. Je vous jure que l'homme-là, s'il est malade, il va aller dans la forêt. Il va prendre les petits fécales, l'on pêcher. Il va pas aller demander son voisin. Mais il refusait même qu'on aille demander le sel. Mon grand-père refusait même qu'on aille demander le sel. Il refusait. Si on parlait de demander, il dit que non, on ne va pas demander. Foussera dit qu'on va manger comme ça le lendemain, on va aller à Boué Centre, aller acheter les sels. Si on doit demander le sel, comme il avait beaucoup de femmes, on va aller prendre chez le fumeur de l'autre rival. Parce que papy avait au moins 6 femmes. On va aller prendre le sel chez l'autre rival. Mais jamais le manquement de la maison sortait de la maison et allait au dehors de notre village. Jamais. Et c'est cette fierté que je garde à moi, que beaucoup de mes copines disent que je suis très maniérée, très fière, parce que je ne demande presque, je dis presque, parce qu'on ne sait jamais, presque jamais de l'aide à l'aide. Jamais. Sauf vraiment quand c'est nécessaire. Ou bien les personnes que je connais. Donc moi, je suis pour moi en Angleterre, je sais qu'à Paris, je n'ai personne où dormir. Si je viens, je dors dehors. Ou bien je dors à la gare. Je ne vais pas mentir. Quand je viens souvent à l'aéroport, là, vous voyez là, si mon vol est demain, je vais rester à l'aéroport là, dans le café. J'attends le prochain vol. Je suis là. Je ne vais pas mourir. Je suis là à côté. Tu ne sais pas raconter. Ce n'est pas grave. C'est toi qui l'as bien raconté. Non? Je saute au vent d'Anna. Je te dis que ce n'est pas une bonne conteuse. Parce que je ne veux pas que ça fasse en forme de clash. Je veux seulement attirer. Je veux lui faire prendre conscience de les limites qu'elle a franchies. Tu vois? Je ne veux pas que ça soit en forme de clash. Je veux lui faire prendre conscience qu'à un moment donné, tu ne peux pas, la personne qui ne t'a rien fait, qui t'a toujours considéré comme ta grand-sœur, tu ne peux pas aller m'insulter chez les inconnus. Tu ne peux pas aller me parler mal chez les inconnus que je ne connais pas. Donc, ce n'est pas en forme de clash. Si c'était clash, j'allais vraiment l'insulter. Ce n'est pas mon but. Donc, c'est vraiment à un moment donné qu'elle se canalise. Et si elle veut me demander pardon, qu'elle vient, elle me demande pardon, il n'y a pas de souci. Je vais continuer, mais ça va rester maintenant le bonjour à distance. Parce que je préfère être honnête envers les gens. Je n'aime pas l'hypocrisie. Toi, tu étais là, je voulais directement bloquer, tu m'as dit non. Donc, parce que je n'aime pas l'hypocrisie. La plupart de mes copines sont là, je les ai bloquées.
Voilà. Il y a une année, il faut me dire, pardon, Claire, arrête de me bloquer. Toi, quand tu ne veux pas parler à quelqu'un, tu me le dis parce que je n'aime pas qu'on m'importune. Je n'aime pas qu'on vienne me déranger la tête avec les problèmes de chien. C'est fatigant. Donc, je passe. Donc, je ne demande pas de l'aide. C'est comme ça, je quitte l'Angleterre. Ma soeur me dit, ah, quand on est seul de chez moi, j'ai une maison, tu ne peux pas dormir dehors. Est-ce que vous aussi, vous et moi, tu entends ça? Moi, Claire, je te dis que non. Je prends le nom de qui? Mikaela, chez moi, c'est chez toi. Donc, nous les femmes, on connaît que Ndadia, maintenant Ndadia. Tu me dis ça que chez moi, je ne sais pas que là où je suis en train de venir, là, je vais devenir être un poids de surpoids, je ne sais pas quoi. C'est comme ça, c'est elle-même qui est venue me chercher à la gare de Bercy, en Uber. Uber de Uber, c'est là où nous avons vu, j'étais partie chez elle avec les photos, piak, même quand on mange là, on filme photos, moi, j'étais, il n'y a pas de souci. Donc, c'est là où vous m'avez vu là-bas. C'est ma soeur qui est venue me chercher à la gare. Elle m'a amené, je ne connaissais pas chez elle. J'entends aujourd'hui que je débarque maintenant chez elle sans préavis, sans l'avertir. Quand Claire, tu vas dire que maintenant que Claire, elle débarque chez moi sans me prévenir. Ma grand, c'est pas toi qui étais venue me chercher dans le Uber. Je connaissais ton adresse comment pour débarquer dans ta maison sans te prévenir. Je connaissais ton adresse comment pour débarquer chez toi. Tu t'es venu me chercher avec Eva. Avec Eva, à la gare de Bercy. Tu as pris le Uber, tu as payé le Uber. On est venu chez toi. On a dormi, j'étais obligée d'annuler mon billet. Parce que tellement l'accueil était bien. Tu sais bien accueillir les gens. J'ai bien mangé, j'étais bien à l'aise. J'étais obligée de dire que, ah, je vais annuler mon billet parce que mon billet était le lendemain. Tu dis que je vais annuler mon billet, comme ça je reste encore avec toi une journée. Tu as dit ok. J'ai annulé mon billet encore. J'ai repris un nouveau billet. On est resté. Je suis resté avec toi une journée de plus. À quel moment je suis devenue envahissante, on a envahissement, ou envahissement. Donc comme ça là, je débarque comme ça sans appeler. Et on n'est pas en Afrique, c'est en Afrique là-bas. Quand c'est bientôt midi, là les gens arrivent chez toi. Quand c'est midi, midi. Donc là comme ça, moi je guette seulement midi pour débarquer chez toi sans te prévenir. Ah manzan, je suis passé par où? Je suis passé comment pour venir chez toi sans te prévenir? J'ai eu l'adresse là comment? J'ai eu ton adresse comment? Ah mon Dieu, même s'il faut salir le nom de quelqu'un, j'ai eu l'adresse comment? On a même fait les photos. Le jour là, tu as mis les photos là sur Internet. J'ai dit que non, je n'aime pas exposer mes enfants, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me mettre là où toi et moi on est? Enlève les photos où il y a Eva. Enlève les photos là où il y a Eva. Enlève là sur le net. Tu as dit oui, tu as raison. Après, moi, tu m'as dit que, mais toi, si tu mets les photos, je suis la seule. Je suis la seule unique personne sur cette terre qui a le droit de publier ses enfants sur le net. C'est ma responsabilité. Mais je ne te permets pas. Je te dis d'enlever, tu as enlevé. À partir de là, explique-moi par comment, de par où, par sorcellerie de moi-même comme ça. Là, je sais que nous, les Bapounous là-bas, on a le vampire. Hein? Je sais que nous, les Bapounous là-bas, on sera en vampire un degré. Ah, ma fille Elsa, moi, je suis en train de comprendre seulement les audios. Ta maman entend les choses ici. Que la tata qui est ta sœur, que toi, ne parle pas. C'est entre adultes. Je ne veux pas que tu parles. Peut-être ta bouche là, elle est trop précieuse. Toi, tu es trop sauvage. Impoliment, je ne sais pas comment je vous ai éduqué là-bas. Parce que vous aussi, quand vous manquez les gens de respect, il n'y a pas deux. Hein? Donc, il faut garder ta bouche là-bas dans le congélateur. Donc, ouais, je connais mes batailles. Oh. Donc. Par comment, je suis quitté, j'ai connu les Bapounous là-bas, on sera un vampire. Par comment, je suis sorti dans le vampire de ma banda et atterrir à Paris directement, j'ai atterri dans la maison de ma sœur là, et je pars chez elle sans la prévenir. Et je débarque sans préavis. Ah, Paola, je ne savais pas que venir chez toi devait aussi me poser un problème, que là où tu m'invitais, là, tu me prenais ma sœur là, les photos qu'on a fait là, je ne savais pas que c'est pour dire que je débarque à l'improvu. Je ne suis plus civilisée, même si que je suis sauvage là. Nyambi. Donc là, je débarquais chez ma soeur là-bas. Déjà, elle a dépensé 3000 euros pour moi, pour que je rencontre Fanny et Poupa. Ensuite, je débarque sans préavis chez elle. Je pars au Trocadéro, je ne sais pas où dormir. Je débarque là-bas. Mais si je débarque chez toi, c'est toi-même qui m'as dit que ta maison, c'est ma maison. Donc, vous parlez seulement à la bouche comme ça. Vous ne pesez pas le pour le contre. Elle dit quoi? Attends. Toi, tu as beaucoup de Natacha, il faut dire laquelle. Non, c'est pas toi, ma chérie, c'est la Natacha que tu connais. C'est Natacha, mon amie de Lyon. Donc, mais c'est vrai, vous les Africains, quand vous dites aux gens, ma maison, c'est ma maison. Ta maison, c'est ma maison. Il faut peser. Moi, quand je dis à quelqu'un, fais comme chez toi. Je suis désolée, c'est vraiment fais comme chez toi.
Fais comme chez toi, ne m'emmerde pas. Si tu as envie de manger, prépare. Si tu as envie de chier, chie. Fais comme chez toi, le mien, il est sincère. Le fait comme chez moi, c'est pas fait comme chez toi. Et puis, je vais prendre la bouche, je vais lui dire que... Oui, Natacha a débarqué chez moi avec... Non! Parce que c'est moi qui ai dit à Natacha que ta maison, c'est ma maison. C'est moi qui ai dit à Naomi que Naomi, chez toi, chez moi, c'est chez toi. Pourquoi est-ce que je te fais... Je fais une fausse promesse africaine en disant « My home is your home » et puis je viens dire que « You come chez moi, no visit, no, no, no call me, no, no appointment, et no rendez-vous. » Pourquoi est-ce qu'après tu vas aller dire que j'ai appointé chez toi nothing de rendez-vous? Ça n'a pas de sens les Africains. Je ne sais pas si vous pesez parfois les mots quoi. Pourquoi tu dis à ta soeur que « Ma soeur, tant que je suis en vie, ma maison, c'est ta maison. » Maintenant que je viens chez toi, tu dis maintenant, tu vas maintenant dire à tout le monde jusqu'en Espagne là-bas que moi, je débarque chez toi sans préavis. J'ai débarqué. Dis-moi combien de fois je suis venu chez toi. Vous tous voyez comment je me déplace beaucoup ici. Je ne reste même pas dans le pot pour l'homme même qui m'a mis l'alliance au doigt. Il a du mal à me voir. Mais c'est chez toi que je débarque sans rendez-vous. Même le pauvre voisin qui m'a enlevé de l'Afrique a du mal à rester plus de un mois avec sa propre femme. Mais c'est chez toi que je débarque là-bas tout le temps avec rendez-vous. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Si je sais que je n'ai où je ne sais pas où dormir, je vais retourner chez moi en France. Ou bien je vais appeler ma copine ivoirienne, Evelyne. Elle m'a aidé comme ça trois fois lorsque je partais faire la résistance. Evelyne m'a aidé trois fois, mon amie ivoirienne, pour que j'aille dormir chez sa soeur ivoirienne, sa cousine ivoirienne. Je dormais chez elle. Jusqu'à ce que toi-même, bonjour, tu viens déclarer que « My home is your home ». Moi, j'ai pris ça au sens propre. Parce qu'il faut peser le mot. « You say me, my home is your home ». I'm coming, you home. What you say? Oh, come in. You envahisse me. Envahisse you, you comment? I can envahisse you, you comment? I am connecte ton adresse par où? I am connecte que toi habitais, je ne sais même, là où je suis là, je ne sais même pas dans quel quartier elle habite encore, tellement j'ai oublié. Voilà les problèmes où créent. Nous, maintenant, je dis que tout ça, là, je dis que tout ça, c'est Ali Bongo. Tout ça, c'est Ali Bongo. Je suis venu fréquenter beaucoup de bâtards, vous, Internet, ici, là, les couillons et les connasses Internet, ici, vous aimez tous les problèmes, c'est pour rien. Tout ça, c'est Ali Bongo, on y va. Sinon, là, j'allais continuer avec ma vie, avec mes pétasses de copines avec qui on se bagarre pour nous là-bas. On a fait notre bordelerie dans le Libreville. On arrive venir chercher notre vie ici en France. On se bagarre pour nous. Personne ne nous connaît. Mais dès que je vous ai rencontré, là, c'est fini. Mes problèmes, on se sont élargis. C'est-à-dire, j'ai des bordels avec qui je suis venu de Libreville. Et puis, je viens mélanger avec les sorcelleries de la résistance. Ça me fait beaucoup d'ennemis dans ma propre vie comme ça. Tout ça, c'est vous. Ouais. Ah, Paola, mes yeux, qu'est-ce que tu me fais là? Je n'ai pas de meilleurs amis, ma chérie. Je n'ai pas de meilleurs amis, j'ai de bonnes connaissances, j'ai de bonnes amies. Comme Natacha Mungue, c'est une bonne amie, c'est une sœur. Parce que qui dit meilleur ami dit trahison. Les meilleurs amis trahissent toujours. Les meilleurs amis trahissent toujours, il y a toujours l'esprit de concurrence. Donc c'est comme ça, ma grande sœur que je considère comme grande sœur, parce que il faut que je précise, ma sœur a 48 ans, moi j'ai 39 ans, donc on a à peu près 10 à 9 ans d'écart. Donc vous voyez que on ne s'est même pas de la même catégorie. Je ne sais pas si c'est une génération, c'est à partir de 10 ans. J'espère qu'on est dans la même génération. Donc voilà, je n'ai même pas encore mes 40 ans. Vrai, je n'ai pas encore 40 ans. Je prends 40 ans dans 3 mois, donc c'est encore éloigné. Donc j'ai encore là 39 ans et demi. Et ma grand-sœur là-bas a 48 ans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, que l'âge n'est qu'un état d'esprit. Tu peux être adulte et avoir l'esprit d'un enfant. Tu peux être un enfant et avoir l'esprit d'un adulte. Je ne peux pas considérer qu'on a mis, tu as ce genre de langage, tu as ce genre des intentions envers ma personne. Moi, je suis là, je ris, j'embrasse tout le monde. Donc, tu peux même me poignarder comme ça. J'embrasse tout le monde, je rigole avec toi. J'entreprends même les choses parce que je n'aime pas la paix. Hein? Je n'aime pas la guerre. Je vais me harceler quand Colette Rebouka, elle est témoin. Je pense que l'été dernier, quand ma petite soeur Carole se mariait, j'étais au sud, je ne sais pas, à Rennes. J'étais à Rennes. J'ai appelé Colette. J'ai appelé Colette que ma Colette, pardon, est-ce que tu permets que je vienne à Paris là-bas te faire la paix? Pour que tu puisses faire la paix avec ma soeur Colette Rebouka, elle est la témoin. Colette m'a dit que ma fille, laisse-moi, je vais réfléchir. Ce que la femme là m'a fait, c'est pas bon. Moi-même, là, quand je cherchais à faire la paix entre les personnes, parce que je n'aime pas la guerre, vous avez vu ici, lorsqu'il y a eu des problèmes, j'ai voulu faire la paix dans la résistance. Comment ça a tourné? J'ai dit que, ah, comme les Gabonais n'aiment pas la paix, s'entretuez vous-même. Chacun n'a qu'à prendre le couteau. Je ne veux plus être l'entremetteuse des faiseuses de paix dans les réseaux sociaux. Comme ça, les gens qui s'entretuent. Moi, je passe ma route. Parce qu'à beau chercher la paix, les Gabonais aiment la guerre. Quand, si j'allais faire le direct là, faisons la paix, je devais avoir 5 personnes.
Voilà. Donc, elle finit de me parler comme ça. On arrive maintenant chez mon pauvre voisin. Ma soeur, grand soeur Paola est venue chez moi. First one. Je suis allée chez elle. Je pense tout one. Une fois quand Eva et moi on est venus de l'Angleterre. Une fois quand on est allé à la résistance. Je me rappelle encore, je ne sais pas si c'est Messire qui m'avait déposé. Je me rappelle encore dans la voiture. Quand on allait à la résistance, on avait eu une manifestation là. On était tous nombreux. Ma collègue, tu dois te rappeler quand la dernière manifestation, on se retrouvait à Paris. Il y avait des gens qui ont pris les esprits là. La manifestation là, je suis allée dormir chez elle. Donc là où je suis allée dormir là-bas, là, c'est sans préavis. Alors que c'est. Non, pardon, je suis même dépassée même. Paola a ajouté son âge. Hein. Ah, c'est 45. Bon, ok. Donc on a 6 ans d'écart. C'est pas grave. Donc on est de la même génération. Donc on arrive comme ça. Je ne sais pas comment votre conversation s'est déroulée là-bas avec la Fenouza. Pour que le nom de mon pauvre voisin sorte dans votre conversation. Tout le monde sait que je n'ai pas un beau mari. Je n'ai pas un Brad Pitt. Je n'ai pas un Highlander. Je n'ai pas quelqu'un qui a les bétons de corps. Je n'ai rien. Je n'ai même pas un Jésus. J'ai tout simplement l'homme qui m'a accepté tel que je suis avec mes défauts. J'ai tout simplement l'homme qui a fait de moi la femme que je suis, posément, stablement, lourdement stable. J'ai envie de le dire ici. J'ai tout simplement l'homme, si je dis que chérie Coco, oh, chérie Coco, oh, mon voisin, je l'appelle mon voisin, ça l'énerve. Je dis que voisin. Voisin, j'ai envie de changer la voiture. Toi aussi, ça fait 2 ans que j'ai la voiture là. J'ai l'homme là, il va aller s'endetter. Dit que, oh, ma folle veut la nouvelle voiture. Il va prendre. J'ai l'homme que je dis que quand je voyage demain, oh, deux fois, je dis pas que je dis que, oh, voisin. Donc, mon pauvre voisin m'a amené là-bas. On dit que, oh, on attrape pour nous là, c'est pour moi. J'attrape pour moi, je suis méchante. De nous deux là, s'il y a quelqu'un qui va quitter le voisin, c'est moi. Parce que je suis méchante avec mon voisin. Je suis méchante. Regarde, je suis ici en Angleterre, le pauvre voisin là-bas, il attend. Si je dis demain que voisin est vraiment là, on change de ville. Voisin va me suivre. Je dis que voisin, on va au sud. On va aller au sud. Je dis que voisin, allons en enfer. On va aller en enfer. J'attends maintenant là, je ne sais pas par comment. Le nom de mon voisin allait atterrir dans vos conversations, la grande sœur. Je me suis jamais occupée de tes problèmes de fesses. Si seulement tu peux savoir. Si seulement tu pouvais savoir. Je suis comme ça. Ce qu'on vient dire de quelqu'un, ça rentre dans ma bouche, je meurs avec ça. Ce qu'on vient me dire, ça rentre dans ma bouche, je meurs avec ça. Combien de personnes sont venues parler là, ils vont dire si ils ont entendu ça dehors. C'est ça ma fierté. Quand je vous dis, je suis très. C'est ça ma fierté. Ça ne part pas. C'est toi-même, peut-être, tu vas encore prendre nos conversations. Aller dire que Claire a dit, on a dit ça, on a critiqué de ça. C'est toi. Mais moi, de ma bouche là, si toi et moi, on a parlé, je meurs avec. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues tomber sur moi ici. Il y a même les appels qui sont venus des États-Unis. Des États-Unis. Je suis là, j'enquête. Je dis que c'est ma sœur, on va qu'on fait comment? Oh, fais attention. Je dis que non, je n'ai pas fait attention. Il ne m'a jamais fait du mal. Aujourd'hui, je fais comment? J'ai honte. Je suis obligée de venir faire le soulan la nuit, de danser le gongouzi la nuit avec les grosses lunettes de sorcellerie. J'ai honte. C'est la vérité. J'ai honte parce que j'étais estimée. Je continue à t'estimer. Mais à quel moment on quitte de. J'ai dragué Fallu et Poupa. J'ai harcelé sexuellement Fallu et Poupa. On m'a niqué dans tous les hôtels de Paris. Je te copie, je te fais la concurrence en faisant les photos comme toi. Je te copie en voyageant. Je te copie en s'habillant comme toi. Comme quoi, tu es belle et que moi j'ai fait la chirurgie esthétique. À quel moment toi et moi on est arrivé au degré de concurrence? C'est ça, je veux que tu viennes m'affirmer ici, pardon, tata. Les filles là sont là, tu vois comment j'ai leur site de nom, ça veut dire que ce ne sont pas les personnes qui sont inventables. C'est des personnes réelles, ça veut dire que si tu viens là, elles vont confirmer, tu as dit, maintenant Facebook a mis l'option participer, donc elles peuvent rentrer et participer et avouer. À quel moment on a quitté ma grande soeur? Et ce qui m'a encore fait mal tout à l'heure, j'ai envoyé Dana le message que ma petite soeur, tata Huguette, j'ai mal. J'ai mal parce que encore en mars, elle m'a demandé de lui faire une vidéo d'anniversaire. Et quand je pense qu'elle me critique depuis l'année dernière, et qu'en mars de cette année, elle m'a demandé la vidéo d'anniversaire, j'ai mal. En fait, j'ai mal lorsque quelqu'un abuse de moi. Je vous ai fait ma description il y a 3 jours. Qui suis-je? Vous voyez, je suis pas allé loin. Voilà la description. Je suis le genre de personne qu'on
Tout le monde abuse de moi. La famille, les amis, en amour, tout le monde abuse de moi. Voilà. Vous voyez l'exemple réel. Je ne suis pas encore loin. La description, elle est encore là. Ma photo que j'ai mis à vente il y a une semaine. Où je vous ai dit, qui suis-je? Il y a une partie où je dis, je suis celle que tout le monde abuse d'elle. C'est moi. Voilà. Je suis fini de me critiquer partout. Moi, je n'ai rien fait. Mais tu viens encore me demander, Claire, fais-moi la vidéo. Ça, on abuse de moi, que ce soit émotionnellement, matériellement, on abuse trop de moi dans cette planète. C'est pour ça qu'il dit, à partir d'aujourd'hui, là, aucun être humain ne va plus abuser de moi. Aujourd'hui, je deviens la chakala. Je deviens la sorcière. Ma grâce céleste. Mais non, je préfère encore être comme, comme 3M. Donc, jusqu'à ce que vous arrivez là-bas en Espagne, là où tu allais en Espagne. Je ne sais pas s'il fallait d'abord t'envoyer les messages, mais c'est que Dana t'a envoyé les messages, tu n'as pas répondu. Donc, si moi aussi je t'aurais envoyé les messages, tu ne m'aurais pas sûrement répondu parce que je ne sais pas comment je t'aurais laissé ces messages-là. Donc, je préfère venir faire cette petite vidéo-là. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas faux, mais franchement, qu'un homme comme Isaac Abaga me dit que c'est vrai, Isaac Abaga et moi, on se commande seulement sur Internet et de temps en temps, on se commande. Je pense que les messages, je ne sais pas si lui et moi, on a vraiment eu une conversation. Je ne sais pas. Et la Béguidance, ma soeur de Makoku, là, elle et moi, on a seulement eu les seules conversations. C'est lorsque j'ai créé association à Kamayon parce qu'on est de Logo et Vindo, qu'on doit développer notre province. Et pourtant, elle est pédagogiste. Moi, je suis opposante. Et j'ai beaucoup comme ça. Mon propre cousin est pédagiste et je suis opposante. Mais on est dans le même groupe de Logo et Vindo parce que ça vend tout notre province. On veut développer notre province. Donc, la Béguidance, là, avant, c'était, je la connaissais sous le nom de Fenela. Donc, je ne savais pas que c'était elle, la Béguidance, Parce qu'à un moment donné, la Béguidance avait publié un post, tu es venu me donner ça en privé. Je ne savais même pas, je n'ai même pas répondu. Donc, comment mon nom se retrouvait chez la Béguidance? La Béguidance, tu ne sais pas si elle a mis avec moi. Comment tu as pu aller me critiquer chez la Béguidance? Que moi, je draguais, j'ai harcelé Fanny et Poupa. Que tu as dépensé 3000 euros. Que tu m'as donné ceci. Comment je suis tombée là-bas chez la Béguidance? Je te fais quoi? Ça a commencé comment? Toi et moi, on a eu un conflit. Si on a eu un conflit, moi, je suis le genre de personne, j'ai un conflit avec mes amis. On se chamait, tu restes de ton côté. Après, je reviens vers toi. Il y a une qui est là, qu'on était là, ma soeur là. Elle est là, Natacha Ogula. C'est elle là. Avant là, c'était ma soeur. En fait, elle et moi, on était comme ça. Natacha Ogula, qui est là, Van Damme. On était comme ça. Ça a dit son pièce, on était comme les Dalton. À Libreville, là-bas, on était comme ces Dalton. Comme elle est grande de taille, là, elle fait 1m70. Ça dit, quand tu le vois là-bas, tu vois aussi ma petite taille. On était amis comme ça, là. Après, on a eu un petit différent. Chacun est resté de son côté. Et je suis reparti, on a refait la paix. C'est comme ça. On est en privé. Personne ne va savoir. On ne va pas régler le problème ici. Mais toi, si tu sais que je t'ai fait quelque chose, pourquoi tu ne m'appelles pas que ma petite soeur? Vraiment, tu m'as énervé. Donc, je suis obligé de saquer ton nom partout. Je relis, ah, ma grâce, si tu vas saquer mon nom là-bas, pardon, il faut saquer avec la bonne publicité. Comme ça, envoie les gens là directement acheter les choses dans mon site internet parce que je suis commercial, hein. Donc, c'est ce genre de critique-là que moi, je préfère. Mais si tu sais que j'ai un problème avec, tu as un problème avec Claire, pourquoi tu ne viens pas dire à Claire que non, où tu me vois là, je vais te détruire. Mon ami, jusqu'à tu vas mettre le pauvre nom du pauvre blanc, à quel moment le pauvre, mon pauvre clochard vient faire dans les problèmes du Gabon. Mes chers compatriotes, remarquez bien, parce que c'est ma stratégie quand je suis rentrée dans la résistance. Dites-moi autant que vous êtes là, par mes amis, lequel ou laquelle des résistants gabonais a vu mon mari sur internet ici. Même lorsqu'on va dans les fêtes des Gabonais ici, on était parti la dernière fois à la fête qu'on a fait, je n'amène pas mon mari, que tu ne viens pas. Je dis, quand ça concerne la résistance, je t'amène pas. Nada! C'est pas parce que je le moins de mon mari, je dis tout simplement, je n'amène pas mon mari, je ne l'expose pas. Mes enfants sont gabonais, elles sont adultes, elles ont le droit de parler des problèmes du pays. Elles aident parfois, elles prennent partie aux discussions du pays, c'est son pays. Voilà. Mais mon mari, je mets au défi, qui d'entre vous a vu la photo de mon mari? Même le jour que j'ai publié nos 12 ans de mariage, 12 ans ou 10, 11 ans de mariage, j'ai masqué son nom, les gens ont seulement vu le blanc à côté. Jamais j'ai montré mon mari quelque part auprès des Gabonais qui n'y sont dans la résistance. Parce que j'ai décidé de protéger cette partie-là. J'ai décidé tout simplement que cet homme-là, il n'est pas gabonais, il n'a pas le droit d'être devant la scène. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui vient exposer leur mari. Pardon, c'est pas question de mon mari, mais je me dis, c'est mon domaine privé. C'est ma vie privée.
Mon mari, c'est pour moi. Qu'il soit beau, qu'il soit vilain, qu'il soit borne, qu'il soit infirme, il est mien. Je ne viendrai au grand jamais l'exposer dans les réseaux sociaux pour montrer que j'ai un blanc. Tout le monde sait déjà que j'ai un blanc puisque vous voyez le jeune enfant métis. Donc, je n'ai pas besoin de venir exposer mon pauvre blanc sur Internet. Tout le monde le sait. Mais comment est-ce que toi, tu es venu dans ma maison une seule fois? Tu as vu mon mari une seule fois et tu n'étais pas seul. Ça veut dire que c'était quand j'ai lancé Akamayon, quand j'ai lancé ma belle association à qui je tiens à cœur. J'avais invité beaucoup de gens. Le jour-là, dans ma maison, il y avait Isaac John. Grand frère, bonjour. Parce que le jour-là, Isaac John m'avait fait la bonne noche. Il m'avait fait, si je ne sais plus, le Kumu. Il y avait Isaac John. Il y avait... comment il s'appelle? Il y avait les gens que j'avais amenés du Gabon. Les Gabonais. D'Akamayon, que j'avais fait venir du Gabon, ils étaient là. Il y avait Jade, bonjour, Jade était là. Il y avait Natacha, il y avait Mikolo, il y avait Messire, il y avait Jonas Moulenda dans ma propre maison là. Donc, comment tout le monde là a vu mon mari? C'est toi, ma propre soeur. Tu as quitté, tu as regardé partout dans tout le corps de mon mari, partout. Tu allais rentrer dans ses dents, tu allais rentrer dans sa bouche pour dire que le mari de Claire est vilain, il n'a pas les dents, il a les dents tombées. Oh! Mon mari n'a que mon voisin n'a pas les dents. Mon ami, faut me dire, tu as embrassé mon voisin. Vous êtes arrivé au niveau des voisins là-bas comme ça, quand tu as toujours comme ça, le voisin n'avait pas les dents. Tu as léché la bouche de mon voisin, il n'avait pas les dents. Vous voyez pourquoi? Je pense que Rakoff là où il est là-bas là, il doit dire que même des fois quand j'ai fait les lives, dès que je vois son visage passer, je coupe le live, je recommence le live. Je m'énerve même. Je dis que pourquoi ton visage vient de passer. Il y a un moment donné, je faisais le live, il lorgnait. Aujourd'hui, j'apprends que j'ai par comment, ma soeur, comment sur une maison où il y avait autant de gens dans une cérémonie associative, les gens sont remplis, comment tes yeux sont quittés des pieds, de la tête, du ventre, du canapé pour aller rentrer dans les dents de mon voisin? Faut dire que mon voisin n'a pas les dents. Ma soeur, ça arrivait comment là-bas? Il y a quelqu'un qui vient encore en Europe sans dents. La Hongrie là-bas, c'est 190 euros une dent. Donc, pendant que tu mangeais là, tu lorgnais le dentier de mon voisin. Mon voisin, même là, pour rire, là, il a du mal à rire. Il ne rit pas. Parce que c'est quelqu'un qui est réservé. Même ma soeur Natacha Ogula va vous dire ça. Des fois, elle voulait même s'énerver. Ton mari, on lui dit bonjour. Il ne salue même pas. Il dit que ma soeur, pardon, lui, il est comme ça. Il ne faut même pas le calculer. Il est comme ça. Elle est là. Elles sont là. Celles qui me connaissent dans la vie privée savent que mon voisin, là, même pour montrer ses bouches, ses dents, rire, c'est pas facile. Il est tout le temps en train de bouder. Donc, quelqu'un qui ne rit pas, qui boude tout le temps parce qu'il est énervé qu'il y a trop des Africains dans sa maison. Lui, il est là en train de bouder qu'il y a trop d'Africains dans sa maison. Mais il va quand même prendre un temps pour. Ce rire pour que tu vois qu'il n'y a pas les dents, ça arrivait là-bas, comment comme le nom de mon voisin a sorti, a avancé la partie où ça me tue que. Comment tu as fait pour aller regarder le dentiment de mon voisin? What is your problem, sister? I love you. What is your problem? I don't love problem, oh. Hey! I am là comme ça, assise comme ça, I am comprendre ça, I am découragé, I am triste. I am triste because I am love you. Je te prends comme ma soeur. What is? Les gens sont en train de manger. Isaac John avait fait la bonne sauce. On avait mangé. Il y avait beaucoup de la nourriture le jour là. Je te jure, mon grand frère Isaac John aime préparer. Il avait fait la bonne nourriture le jour là. Mais si on arrêtait là, on a mangé à temps. Mais si la cabine témoignait même. Mais si, pardon, viens dire si mon voisin a les dents tombées. Parce que vous êtes tous étaient là. Est-ce que le jour, au lieu de manger, vous avez enlevé vos bouches, vos yeux dans la nourriture que Isaac John avait fait et Jade, vous avez laissé la nourriture. Vous avez lorgné le dentier de mon voisin. Et que pour toi, il est ma boule. Bon, toi, champagne, ça, c'est votre problème là-bas. Pour toi, c'est ma boule, il n'y a pas de souci. Mais moi-même, là. Donc, vous voyez les choses. Donc, voici là où je suis déçue. Hein, je vais pas durer longtemps parce que je vois que les gens sont qu'à augmenter. Je vais pas mettre parce que je vais supprimer le live. Là, voici où je suis déçue. Je suis désolée. L'état de mes yeux. Je suis déçue tout simplement parce que l'environnement gabonais, c'est un environnement empoisonné. L'environnement gabonais, c'est un environnement malsain, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire, quand tu n'as pas un problème avec quelqu'un, il faut créer le problème.
Quand tu n'as pas un problème avec quelqu'un, il faut crier. Vous l'avez si bien remarqué ici, j'étais toujours défendue. Même lorsque je me suis mis à dos, mon propre frère, Jules Mekam, lorsqu'il t'avait menacé, j'ai fait un direct. Et pourtant, Jules Mekam et moi, je vais vous le dire aujourd'hui, Jules Mekam, moi, n'ai pas les parentés d'Internet. Jules Mekam, c'est mon propre cousin de sang propre. De sang propre direct. Jules Mekam, c'est mon propre frère direct. Je ne vais même pas aller pour vous dire que le père de ma chaîne, non, ça c'est long. Mais il va vous le dire. Le sang qui coule dans les veines de Jules Mekam, côté de ma mère, c'est le même sang. Ce n'est pas les parentés cousins éloignés, direct. C'est-à-dire le même spermatozoïde qui a fabriqué le père de Jules Mekam. C'est le même spermatozoïde qui a fabriqué ma mère. Donc vous comprenez? Donc je me suis mis quand même mon propre cousin ici. Je l'ai insulté ici dans les réseaux sociaux pour te défendre. Mais j'apprends aujourd'hui, au lieu de m'appeler que non, tu veux me dire les choses, est-ce que c'est comme ça on fait la vie? C'est comme ça on est très amis? Donc viens me confirmer, si j'ai péché quelque part, je vais te demander pardon. Je peux faire dire ça comme ça. Si j'ai péché, que moi je ne vais pas te clasher, pas avoir les problèmes avec toi. Parce que quand ça a commencé là, tu vas commencer à faire les posts, lancer les pamphlets. Il ne faut pas me lancer les pamphlets, ma grande soeur. Il faut me parler directement. Il ne faut pas faire pamphlets, les gens me veulent du mal. Non, 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 je ne suis pas dedans. Je pouvais bien t'appeler, je pouvais bien faire un post. J'ai commencé un post, deux posts. J'ai dit, ah, pourquoi je me casse même la tête? Je vais directement lancer le direct. Parce que de toute façon, j'allais faire les posts comme ça toute la semaine, ça allait m'énerver. J'ai commencé un post, il faut que je quitte la planète. Deux posts, tout ça, ça libre. Je dis, ah, pardon, je me casse même pourquoi. Je lance le live. Il faut parler demain, dire que non, les gens me veulent. Oh, les gens se sont. Non, c'est toi, il y a les audios. Il y a les audios, tu cites mon nom. Il y a les audios. Ça veut dire que c'est toi qui as commencé par l'arbre à ta soeur qui ne t'a rien fait. Et le pire, c'est que tu vas me critiquer chez les personnes que je ne connais même pas. On dit comment? De Jésus-Christ à Satan. Ou de Dieu, ou de Mohamed. Je ne connais pas la pista jusqu'à... Elle aussi a dit qu'elle va m'enlever, elle m'a bloqué parce que je suis ma boule. Jusqu'à même les gens me... Donc beaucoup de gens me voient même dehors, les gens où tu vas me critiquer là, où tu vas me... Les gens me regardent dehors, okay, que la fille elle est ma boule. Elle est avec la Paola là, elle lui critique partout, elle dit ma soeur. Est-ce que tu peux venir m'affirmer, bien infirmer que ce que je suis en train de dire là, is no réel, hein? Il fourre où? Je vais demander pardon devant les presque 200 personnes qui sont là. Mes amis, tout ce que je dis là, c'est faux, c'est pistache, c'est Isaac Abaga, c'est la bigadance qui ont inventé. Et je reviens quelque part en arrière parce que je pense que ça me ramène les souvenirs. J'avais eu des problèmes un moment avec tes gens, je ne rentre pas dedans. Un jour, tu m'appelles, tu me dis, Claire, fais attention parce qu'il y a des gens. Tu m'avais cité le nom de deux grandes. Bon, moi, je ne vais pas venir citer le nom de pauvres gens ici parce que c'est mon direct. Il y a tel, il y a le A et il y a le M qui vont t'appeler, hein, qui vont te dire que, ils vont venir te raconter que je parle mal de toi. Mais il ne faut pas le prendre en mal. Je dis qu'il n'y a pas de souci, même si tu parles mal de toi. C'est ça la vie, non? Je t'avais dit ça. Mais aujourd'hui, il y a de cela, ou 6 mois, 8 mois. Ça retombe aujourd'hui que moi-même, comme ça, le clochard. Le clochard de Claire qui n'a pas les dents. Hey, mon ami, mon clochard m'a stabilisé depuis 13 ans. Mon clochard m'a stabilisé depuis 13 ans. Mon clochard m'a acheté une maison. Mon clochard me rend la vie, je n'ai pas envie de détailler, me rend la vie que j'ai là. C'est mon clochard. Parce que moi, je ne travaille pas. Je suis une dépensière impulsive. Je ne travaille pas, c'est mon clochard. C'est mon clochard qui travaille. Donc, même si j'ai le clochard, même si j'ai le clochard, pourquoi est-ce que tu vas exposer le clochard de ta sœur auprès de la pauvre fille que ta sœur ne connaît pas? Qu'est-ce que le nom de mon clochard vient faire dans vos conversations à Taranzam? Je vais parler aujourd'hui. Je ne parle pas des maris des gens, sauf si c'est les maris de mes copines souvent qui me fatiguent. Parce que la plupart, elles savent très bien qu'avec leurs maris là, on ne s'entend pas. Parfois parce qu'ils sont trop énervants ou bien ils leur maltraitent. Et puis, moi, je les parle mal. Mais en temps normal, je ne m'occupe pas des maris des autres. Moi, si je vois, d'abord, je suis même gênée de rester dans une même place avec ton mari. Je suis gênée parce que je ne veux pas entendre les arrière-pensées. Donc, si tu n'es pas là, mon ami, je vais même sortir. Même. Je ne veux pas rester avec ton mari dans la même pièce. Je ne veux pas. Je ne vais pas entendre, oh, même ce que je n'ai rien fait, on va venir dire que, oh, Claire a regardé mon mari avec un œil décliné.
Voilà, là-bas, on va voir Fanny Poupa. L'autre me dit que oui, tu sais, je peux t'inviter à Paris. Tu viens, tu m'appelles tout simplement. On va se taper une fête. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai dit que tu es mariée à une gars. Il me dit que oui. Il dit qu'il faut penser une gabonaise. Il n'y a pas de souci. Hein, je cherche même une gabonaise. Mon ami, ici, j'ai une bordelle à lécher. Là, quand le Fanny me faisait comme ça, il n'y a pas de souci. Hein, je peux t'inviter au VIP. Moi aussi, j'allais m'agripper dans le cognement. Le petit frère de Jésus en train de me cogner l'épaule comme ça. Pourquoi pas? Moi aussi, j'allais faire la coune à ma tête avec le petit frère de Jésus. J'ai banalisé. J'ai le numéro là encore dans mon téléphone là, j'ai banalisé. Je n'ai jamais appelé l'homme là, je n'ai jamais fait cas, je n'ai jamais rien fait quoi que ce soit parce que c'est pas mon dada des artistes de enfin, des artistes. Voilà, je peux faire encore un footballeur au pôle là-bas, je vais lui dépouiller le vrai agent. Donc, je ne suis pas fâchée envers toi, chère grande sœur. Je suis seulement déçue et j'ai honte de pouvoir le dire parce que toutes les personnes qui m'ont prévenu ici, elles sont nombreuses. Je suis obligée de le dire. Elles sont nombreuses et m'ont prévenu ici que tu vas me taper d'eau. Et donc, je ne peux que leur donner raison. Je pense que même Colette m'avait dit ça et je l'avais dit que tant qu'elle ne m'a pas encore fait du mal, je la considère comme mon amie. Je pense que je vais lui donner raison aujourd'hui. Donc, j'ai honte. J'ai honte parce que je ne comprends pas. Tu peux t'élever un bon jour. Tu inventes tout. Je ne sais pas si mon style de vie te dépasse. Demande-moi que Claire, tu fais comment? Je vais te dire que c'est le voisin. Voilà, j'ai qu'un seul bailleur, c'est le voisin. C'est le voisin, mon bailleur. Je n'ai pas un deuxième bureau. Le voisin, il est mon premier, il est mon dernier bureau et c'est mon bailleur. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu me demandes, je dis que va chercher un bon voisin et puis le voisin, il va te. Tu trouves un bon voisin. C'est ça. Parce que même quand on était parti dans le truc de masse petite, là-bas, il y a beaucoup de filles qui pensent ici que je suis dans les trucs louches, hein, parce qu'ils voient mon mode de vie. Les filles sont venues me contacter, m'appeler au petit coin. La grande Blanche, nous aussi dans ton réseau. Je t'ai dépassé. Je suis dans quel réseau, Seigneur Mandela? Oh non, Blanche, nous aussi. Mais nous aussi, dedans là-bas, nous aussi, on veut être comme toi. Il dit que non. Mes amis, vos trucs de la France, là, je ne sais pas où. Je ne sais pas de quel réseau vous parlez. Le réseau, c'est mon voisin. Voilà. Mon voisin, c'est mon tortionnaire, c'est mon placement, c'est lui qui me place partout. C'est mon voisin, mon tortionnaire. Donc, on va dire comme ça. Donc, les gens, ils vont voir ta vie dehors ici. Je ne sais pas. Donc, du coup, il faut que je me cache maintenant. Je ne veux plus. Quand je voyage, je ne dis plus. Parce que les gens vont dire que je suis dans un réseau mafieux. Hein? Voilà, aujourd'hui, à cause de mes congolos. Oh, je me fais à ramasser maintenant dans les hôtels. Mon ami, à quel moment? Donc, quand je me ramasse là-bas, c'est toi qui viens filmer. Hein? C'est toi le placement. C'est toi qui me place. Donc, je vais à Paris, je laisse mes enfants, je les comme ça, et puis je viens, je suis comme ça, là, je suis en train de vivre dans un petit appartement de 70 mètres carrés. Donc, si moi, un jour, je me vends dans les hôtels, là, je me vends à combien, hein? C'est à 10 000 francs, à 10 euros, hein, ou bien à 20 euros. Donc, si je me vends, c'est pas pour vendre que je vais aller consommer mes entreprises, c'est pas que je vais chercher les ministres. Si j'ai envie de me vendre dans les hôtels, je ne cherche pas où on trouve Louis Vuitton, je ne sais pas où on peut trouver Macron, là, pour aller lui faire le tailler le crayon. Donc, moi, comme ça, je vais aller me vendre à Paris, avec qui? Et puis, comme ça, je viens dormir dans les petits appartements, beaucoup de l'Angleterre, là. Hein? Je vais me vendre auprès de qui? Voilà ce que j'étais en train de te dire. Je sais que tu es en train de me suivre. Mais moi, je ne voulais pas faire comme Dana, t'écrire en privé parce que tu n'as pas répondu. Parce que si tu ne me répondais pas, ça m'aurait énervé et j'aurais pété un câble. Donc, je préférais venir te poser la question ici. À quel moment je suis devenue celle à qui tu dois parler mal comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? À quel moment je t'ai fait quelque chose de mal? Voilà, j'ai envie de comprendre ça aujourd'hui. À quel moment je t'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je mérite autant de salissement? Est-ce que notre amitié méritait que tu me traînes comme ça? Moi, je suis une personne de très fidèle en amitié. Je suis très fidèle. Lorsque je suis amie avec quelqu'un, c'est pas pour partir aujourd'hui. Si ça part, je te dis les vérités. Et je pense que la plupart l'ont compris parce que je parle. Souvent, ils prennent ça pour un manque de respect. Mais je dis les vérités. Même mes propres enfants, elles avaient dit que maman, tu blesses beaucoup. Ta vérité, tu blesses beaucoup. Mais je préfère être honnête. Je me rappelle encore une fois, lorsque Dana avait fait un direct, quand Bongo était mort là, j'avais dansé avec le champagne. Tu allais faire les pics qui m'étaient concernés, si tu es témoin. Je t'ai appelé parce que c'est comme ça que je suis. Je t'ai appelé, j'ai dit que tu as un problème avec moi. Tu m'as dit non. Tu me dis pourquoi? Je dis parce que j'ai vu tes commentaires dans le live de Dana. Tu m'as dit que non, il ne s'agit pas de toi. Mais je savais que c'était moi, j'ai gardé. Je dis, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je suis. Pareil avec une autre grande sœur Naomi qui est témoin. Et quand j'étais venue aux États-Unis, elle était bizarre avec moi. J'ai appelé la grande sœur à côté, une femme de la résistance. Je l'ai appelée la grande. Tu as un problème avec moi. Et c'est ça le problème parce que la plupart, moi je sais que les gens ont des problèmes avec moi. Mais quand je leur pose cette question, elles ont peur.
Je ne sais pas si c'est la peur ou c'est la lâcheté. Tu leur vois, oh non, 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 il ne s'agit pas de toi. Non, 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 oh Claire, oh, si je veux te parler. Mais je sais que c'est de moi. Vous savez, on sait parce que d'abord, la personne ne te parle plus. Tu viens, la personne ne te dit pas bonjour. La personne t'ignore. Donc, si on n'a pas un problème, pourquoi tu te comportes comme une saligote? Pourquoi tu te comportes comme une lâche? Donc, moi, je suis allée vers elle, je lui ai posé la question. Elle a fait, oh non, Claire, non, non, je n'ai pas un problème avec toi. Non, oh non, Claire, non. Mais je savais que c'était vrai, elle avait un problème avec moi. Mais elle ne pouvait pas l'avouer parce que je l'ai pris de court. Parce que c'est comme ça, je suis. Je ne vais pas faire l'hypocrisie. Moi, c'est soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Moi, c'est tout ou rien. Tu vas rien me faire, mon ami. Si on est des femmes, on se bagarre. Tu me frappes. Moi, là, on m'a frappé dans ma jeunesse. Je n'arrête pas de vous dire ça ici. On avait une fille dans le village, ça peut m'impire. Elle était grande de taille. Elle me frappait quand on va l'arriver. Elle me frappait pendant qu'elle est sur moi, là. Je continue à parler. Je vous jure qu'elle me juge. Je continue à l'insulter. Quand je quitte là-bas, je suis encore. Et puis, je dis encore. Et puis, quoi encore? Tu m'as frappé. Est-ce que me voir? Mais c'est encore là, non. Je continue encore à lui parler. C'est-à-dire, elle finit même de me frapper. Je continue à parler. Je n'ai pas la force physique. J'ai la force verbale. C'est pour ça que je n'ai pas les provocations. Parce que quand tu vas me taper là, taper, mon ami, quand je commence à brancher, on va rester là jusqu'à midi. Regarde, j'ai même déjà fini la conversation, je suis là. Je ne suis pas un lander. C'est vous qui m'avez vu l'image parce que j'ai fabriqué une image. J'ai fabriqué une image pour combattre mon adversaire, c'est-à-dire le pouvoir en place. J'ai fabriqué l'image d'une personne forte. Déjà, je suis une personne forte de nature, mais je me suis mis cette image-là que de face à Ali Bongo, il ne faut pas des personnes qui viennent pleurer. Il faut qu'Ali Bongo puisse savoir que la jeunesse gabonaise, c'est une jeunesse debout, c'est une jeunesse qui ne va plus se laisser faire. Donc, je me suis forgé cette image que je dois combattre. C'est quand même un dictateur dont je ne vais pas parler. Ali Bongo, oh, s'il te plaît, délivre-nous. Donc, j'ai tout pris déjà, mon naturel et la peur et la haine, tout s'est mélangé. Et ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous m'avez vu ici, on dirait que quelqu'un qui aime, comme quelqu'un qui se bat comme une folle, qui fait les bagarres des autres. Oh, oh, oh. Non, non, je suis désolée, je ne suis pas comme ça. C'est tout simplement, j'ai décidé d'être comme ça pour lutter, pour combattre cet adversaire-là. Mais je suis désolée. Tu peux même insulter, insulter, je passe ma route. Hein. Ah, je nique ta race, ce n'est pas mon problème. Je nique ta race au carré. C'est pas mon problème. Parce que je ne veux pas te donner de la visibilité. Je ne veux pas t'accorder mon énergie. Je ne veux pas. Et vous l'avez bien remarqué, parfois quand je viens insulter les gens ici, c'est quand j'ai envie de mettre un peu de l'ambiance. Hein. Sincèrement, parfois je peux bien zapper. Hein. Parfois il y a des problèmes où je peux zapper, mais je viens et dis que bon, il est temps que je ça dort un peu sur Internet, là, il faut que je fasse bouger un peu les choses. Là, je viens, je bouscule, là, vous voyez, vous êtes tous directs, là, ouh. C'est comme ça. Les réseaux sociaux, il faut comprendre. C'est ça l'art de la communication. Mais en temps réel, clair, je suis devant mon ordinateur. Ma petite sœur Naomi est là-bas. Des fois, je dors sur mon ordinateur du matin au soir parce que moi, je dors ordinateur, je cabine ordinateur, je vomis ordinateur, je ne prépare même pas. Je suis sur ordinateur, je fais mes choses. Donc, tu peux me provoquer les bagarres là, c'est pas mon problème. Je zappe. Ou bien, je prends sur l'onglet, bloc, 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 et puis comme ça, je suis sauvé. Voilà, je suis délivré. Tu me fais pas chier et je te fais pas chier. Chacun est bien dans son côté. À faire des palabres là, s'il vous plaît, enlevez ça sur mon dos. S'il y a quelqu'un qui s'appelle la paix, c'est moi. Il y a quelqu'un qui s'appelle colérique, c'est bien moi. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle la guerre là, c'est pas moi. Et je n'épouse pas les problèmes des gens. Je ne prends pas les dossiers sales des gens. Il faut qu'ils soient miens. Comme là, parce que mon nom est sorti, mon nom a été prononcé pour rien. Mon mari a été prononcé dans vos problèmes à la con. Par comment, si au moins j'avais un problème avec toi, j'allais comprendre. Par comment tu vas insulter mon mari dans vos conversations? Tu vas insulter le père de mes enfants dans vos conversations? Encore, tu peux me dire que je te fais la concurrence. Dieu seul sait. Tu as 1m80, j'ai 1m59. À quel moment je vais faire concurrent? Il faut aussi que je fasse l'opération des pieds. Voilà, je vais ajouter ça aussi. Il faut que j'ajoute l'opération des pieds pour que je devienne aussi à 1m69. Au moins, là, la concurrence sera équitable. Je te dis, ma chérie, chacun a sa vie. Ça ne sert à rien de faire la jalousie. À quel moment? Toi-même, tu es là, Natacha. Natacha Ogula. Parce que là, j'ai deux Natacha maintenant. Là, Natacha Mongo. Natacha Ogula, je vous dis là, c'est l'une des personnes qui me connaissent. Privé, vraiment, qui me concerne. Vraiment, c'est vraiment l'année là, il y a au moins 2 ans là, on s'est dit, je reste dans ton côté, je reste dans mon côté, sans plus. Chacun reste dans son côté et puis basta. Mais elle, comme je vous dis, elle, on était comme les Dalton à Libreville. On était comme les Dalton à Libreville.
C'est, tu vois son pied, je vois mon pied. Elle vivait avec un Américain. Voilà quelqu'un même que je pouvais même jalouser. Que je... Elle est là. Eh, hey, Seigneur. Merci, ma chérie, d'être connectée. Voilà quelqu'un même qu'on pouvait dire que je pouvais jalouser. Elle est là. On a fait peut-être 15 ans ou 13 ans d'amitié. Natacha Ogula, elle est connectée. Vous vous rappelez de la fille qui disait que son mari avait pris son enfant aux États-Unis? C'est elle. C'est tout récemment qu'on a essayé de faire la paix. Je suis allée vers elle, on fait la paix. Voilà quelqu'un, elle était mariée à un milliardaire. Elle était mariée à un milliardaire. Elle vivait par cette année. Elle vivait vrai à la Sabrière. Quand elle part aux États-Unis, elle m'amène. C'est pas que j'ai demandé. Elle est là. Je suis obligée de parler que si j'avais envie de faire la jalousie dans ma vie, c'était avec celle-là. Elle était pas mon amie. Elle était ma soeur. Elle est là, Natacha Ogula. Elle part aux États-Unis, elle m'amène des valises, des habits, des perruques. C'est elle la première fille qui m'a fait porter une mèche naturelle brésilienne à la tête. C'est la Natacha là. J'ai jamais été jalouse d'elle. Elle part aux États-Unis, là, elle m'envoie 600 000 francs CFA. Puisque moi j'étais encore pauvre là-bas à Libreville, je suis obligée de te compter ma sœur. Oublie-moi, pardon, excuse-moi. Ça fait, c'est rare qu'on se donne les honneurs comme ça. Quand elle était encore la dame des riches, elle rentre dans une bijouterie. Elle sort avec les bijoux de millions. Elle me donne des bijoux en or. Les bas là. Les bas qu'on porte. Je ne te laisse pas. Parce qu'on a dit que j'ai fait la jalousie des photos, non? Donc je ne t'ai pas fait toi la jalousie qui était la riche. Elle part, elle a l'anniversaire. Elle te confisque. Je dis bien, confisque tout le VIP. Tout le VIP. Elle confisque tout le VIP. Voilà quelqu'un, je n'ai jamais fait la jalousie. Je n'ai jamais fait la jalousie. Voilà, moi aujourd'hui, je vais faire dans l'internet, je vais faire la jalousie des photos. Voilà quelqu'un qui a reçu avant moi, elle a reçu avant moi, quelqu'un que je partais à l'école. Elle a reçu avant moi, elle est allée aux États-Unis. Quand elle est allée aux États-Unis, elle a dit que ma soeur, je ne te laisse pas là-bas, je te fais venir. Elle m'a fait les papiers. C'est les Américains qui m'ont refusé les visas deux fois. Elle m'a fait les papiers américains, je suis obligée de parler de ça. Voilà quelqu'un à qui je pouvais faire la jalousie. Même si on a eu des problèmes, je suis honnête. La fille là, elle a fait pour moi. Mais comme elle, c'est la grande bouche comme moi en fait. Elle et moi, on a tous les esprits comme ça. C'est-à-dire quand elle compte là-bas, je compte là-bas. S'il n'y a pas Jésus-Christ au milieu, il y a l'une d'entre nous qui va baisser le caleçon. On va dire que bon, on se calme un peu. Parce que elle et moi, on est pareil. C'est tic-tac, tic-tac. On se met trop. Elle et moi, c'est à cause de ça, on se chamaille. C'est que quand elle dit là-bas, je dis là-bas, coucou, coucou, coucou. Ça part en vrille. Voilà. Mais je n'ai jamais fait la jalousie avec cette fille. Aujourd'hui là, quelqu'un qui m'a invité elle-même dans sa maison, dit que je suis en train de lui jalouser, je vais jalouser quoi? La fille qu'on appelle Natacha là, elle part aux États-Unis, sa maison de quand elle est partie aux États-Unis, sa maison la Sabrière, elle m'a tout donné, tout ce qui était dedans, moi j'étais dans mon tchikaché, j'ai commencé à voir les gazinières électriques, les grandes armoires, les habits de luxe, elle voulait même me donner sa voiture, mais comme il fallait acheter le billet quand même. Et moi aussi, je n'avais pas encore le permis. Voilà quelqu'un que moi, dans ma vie, je n'ai jamais jalousé. Malgré qu'elle était dans sa richesse, là, elle venait dormir dans mon tchikachon. J'avais ma petite chambre là à la droite. Elle quittait dans sa sabrière pour venir dormir dans mon tchikachon. On passait nos nuits là dans le tchikachon. Elle garde sa voiture de luxe devant ma droite, la tchikachon. Elle rentre dans ma petite chambre de tchikachon. On dort dans notre tchikachon, dans notre petit matelas. Malgré qu'elle était milliardaire. Voilà quelqu'un, moi je n'ai pas jalousé à Taranza, ma grande soeur. En comment je vais te jalouser dans les photos que Dieu m'a donné, ma petite part là. Voilà quoi, car me fait la concurrence dans Internet. Je tue qui? Voilà. Si j'avais envie de faire la jalousie à quelqu'un, c'est celle-là. Je n'ai jamais fait la jalousie une seule fois. Parce que je ne connais pas l'esprit de concurrence. Je ne sais pas où dort monsieur jaloux ou madame jalouse. Je ne sais pas où elle dort. Je sais que j'ai un mauvais comportement, c'est ma bouche. Elles vont te le dire. Quand je vomis, je vomis. Quand je chamaille, je chamaille. Je ne fais pas de midi à 14h. Et elle aussi, elle est pareille. Quand on dit, on va se... Même Natacha Mongue, elle va te dire, même tout à l'heure, on s'est pris la tête. Ah, maman, je dis, ah, pardon, laisse-moi t'enfler le camp d'abord. Je dis encore d'abord, je ne sais pas pourquoi tu dis mes choses. C'est comme ça. On se prend la tête, pou. Et puis, on est là. Je ne sais pas faire semblant. Je ne vais pas t'envier. Si je veux faire quelque chose comme avec ma soeur Natacha, on a des projets, dès que ma soeur va faire ça, on fait. Si on a des projets, on fait des projets. Je ne sais pas envier une femme. Parce que je suis aussi une femme, je suis capable d'obtenir ce que tu as. À quel moment, moi, dans ma vie, je suis en train de me chercher là, la résistance est venue me pourrir ma vie ici.
Je débarque aujourd'hui, mon mari est vilain, il est clochard, il n'a pas les dents, je suis bordel, je suis pute, je suis envahisseur, je suis dragonnement, harcèlement sexuel, je... Moi, Wenda, j'ai fini mon Congo ça, j'ai même mal à la tête, obligé même de prendre mes vitamines, donc je suis obligé de prendre mes vitamines là, hein. Tarjiferons parce que je vais continuer, je vais quand même aller faire mon opération. Comme tu as dit que toi tu as un beau corps, que moi je suis obligée de faire les opérations pour avoir le beau corps. Ah, donc les gars ici, je prends mon tarjiferon, je vais aller faire mon corps aux états en Tunisie. Moi je dois faire mon opération, je vous dis, je vais faire mes seins, je vais faire mon ventre, je vais faire mes fesses, comme vous dites que je n'ai pas les grosses fesses, je vais faire mes fesses, je vais faire mon double menton, je vais faire tout, tout, je vais devenir une nouvelle personne. Voilà, c'est mon corps. Quand je vais mourir, c'est moi qui vais aller pourrir dans le tombeau avec mon corps de plastique. C'est pas ton corps. Donc laisse-moi dans le plastique. Laisse-moi aller mettre le plastique dans mon corps. C'est pour moi. Moi, je mets le plastique. Toi, tu souffres. Dieu t'a béni avec le beau corps. Quand tu regardes comme ça, il y a les pectoraux partout. Donc toi, garde tes pectoraux. Et ma sœur, pardon. Laisse-moi aller enlever la graisse qui est partout là. Je vais aller mettre les jolies choses là où il faut. Donc, d'abord, je vais d'abord boire mes médicaments là. Mes tarjiferons là. Ça va me permettre d'augmenter le sang. Comme ça, là, bientôt, quand le coronavirus finit, la première chose, je lance le direct, je pars parce qu'avec ma soeur Natacha, là, elle va m'accompagner. Natacha Ogula, ou bien Natacha Ada. Enfin, maintenant, j'ai maintenant deux Natacha. En tout cas, les deux Maboul, Natacha, là, il y a une dedans qui va m'accompagner. Donc, Coco, là, je bois déjà mes médicaments. Comme ça, quand je vais pour l'opération, tu vas me dire, maintenant, comme quand j'aurai le gros sein, je ne pourrai plus te faire la concurrence. Comme ça, j'aurai déjà le gros sein. Donc, il n'y aura plus la concurrence. Hein? Voilà. Donc, je vais aller faire le gros sein pour changer. Voilà, je vais les mettre de gros seins, je vais mettre les gros fesses. Je vais échanger avec toi. N'importe quoi. Je t'ai dit, oh, Vili, arrêtez d'envier. Aïe! Envier quoi? Vraiment, comme a dit les malégasques, la Facebook nous fabrique ici. Je vais envier. Moi, je dis souvent, je ne suis pas riche. Hein. Je ne suis pas riche. Aujourd'hui même, je suis en train de dire à mon mari que je vais vendre cette maison. Je vais aller acheter une maison à Bordeaux. Et la maison, je vais à Bordeaux, elle est dans les 400 000 euros. Je ne suis pas riche, c'est que quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. C'est comme ça, c'est tout ou rien. Il n'y a pas à discuter avec moi. Je veux quelque chose, je l'obtiens. En ce moment, ça dit que je vais aller aux États-Unis. Je vais aller tenter mon rêve américain. J'irai aux États-Unis. J'attends, je vais même faire la bordellerie à Hollywood. Je vais m'aller cogner les gens, les producteurs là-bas comme une folle. Je vais vous montrer tout ça en direct. J'irai. Quand je veux quelque chose, je le fais. Je n'ai pas besoin de narguer les gens parce que c'est ma vie. C'est moi. Je fabrique d'abord ma vie. Donc, je vais faire mon opération. Je vais le faire. Je vais faire ma grosse poitrine. J'aurai ma grosse poitrine. Je vais faire mes grosses fesses. J'aurai mes grosses fesses. Wesh! Maintenant, là, je suis en train de voir même. Je vais aller faire mon nez. Je vais faire le petit nez. Je vais faire le petit nez comme ça, comme Pinocchio, bien comme le Blanche-Neige. Voilà, je serai la noire qui aura le nez de Blanche-Neige. Le beau nez comme ça. Je vais faire le beau nez là. Oui! Ne vous frustrez pas ici. Ce n'est pas de ma faute. Si vous n'avez pas de l'argent pour se faire les opérations, ne m'enviez pas. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Je suis fière de le dire. Si vous n'avez rien, ce n'est pas la peine. Hein? Moi, je ne suis pas riche, mais si j'ai envie de me faire opérer, je m'opère. La dernière fois, c'est parti avec 5 000 euros. Je suis allé gaspiller mes 5 000 euros pour pouvoir faire mon sein et mes ventres. Et puis, les gens là-bas m'ont bouffé, m'ont escroqué mon argent. Je suis venu là-bas bredouille. Et puis, j'ai amené les 5 000 euros. Là, j'ai commencé à bouffer, bouffer, bouffer. Les 5 000 euros sont finis. Donc, il faut encore que je mette encore 5 000 euros dedans. Hein? Donc, aussi, demain, je vais avoir le gros cul là-bas qui pend là-bas, même si la graisse que je vais aller mettre au cul là va commencer à couler, couler, couler. C'est mon cul qui va couler. Donc, laisse-moi, même si je mets les caoutchoucs, et puis vous voyez comment on voit les femmes qui ont les fesses là, et puis les caoutchoucs vont être tordus. Laisse-moi soulever mes caoutchoucs aux fesses. Parce que depuis ici, les gens n'arrêtent pas de me dire que je n'ai pas les grosses fesses. Donc, je suis obligée d'aller mettre les grosses fesses. Voilà. J'ai toujours ce que je veux. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais envier quelqu'un. La plupart des personnes, c'est les arrivistes. C'est les arrivistes. On arrive en France sans but, sans projet. Donc, on arrive seulement. Il faut seulement qu'on vit en France seulement et puis montrer qu'on est en France. Ça, c'est la plupart des vies des gens ici en France. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis pas une arriviste. Je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre. Moi, c'est d'abord l'avenir de mes enfants. Voilà. Donc, je me fixe ces objectifs. Donc, je ne suis pas là à dire que je vais aller faire la concurrence. Ça, c'est quelqu'un qui va dire que non. Claire, en train de me copier les photos. Moi, je dis que je me lance dans le modélisme, je vais devenir star. À cause de que je vais devenir star, je vais aller faire la concurrence des photos. Donc, mais quand on veut devenir star, on ne fait pas les photos. Donc, toutes les personnes qui sont stars, qui font les photos là, on te copie. Toutes les personnes qui publient Internet là, c'est moi que tu as vu que je te fais la différence. Je te fais la concurrence. La concurrence.
les photos ne sont même pas identiques. Toi, tu es allongé au sol. Tu fais les boîtes casmalatiquement casmalatiques. Moi, je suis là pour moi, en train de faire le charme. Moi, je pose avec charmatiquement charme. Je lève le menton. Je fais les boîtes stratégiquement stratégiques par les photographes. On ne sait pas là où quel producteur va dire que non, le vieux corps de ma coco là m'intéresse. Je vais l'avoir dans l'affiche. Donc, moi-même, en plus, ce n'est pas les photographes qui me donnent les boîtes. Je suis obligé d'inventer mes boîtes. La boîte, vous voyez où je suis assise là, c'est moi-même qui invente. Même le photographe dit que fais comme tu veux, dit que ne vous en faites pas. Je suis recommande. J'ai fait les boîtes bizarres même que le photographe clilé, c'est madaka pia pia. Donc moi je suis en train de me faire la création de boîtes de spider pour qu'on ne sait jamais là où la bonne chose va sortir. Hey, Paola, tu m'as tué Agnambie. Non, Paola, tu m'as tué. Non, la grande là, tu m'as tué. Non, Paola, pourquoi tu es comme ça? Là, tu m'as tué, la gars, là, c'est pas normal. Moi qui te défendais partout, je vais encore te défendre comment? Hein? Là, tout le monde est exposé, il y avait plus de 200 personnes qui sont venues écouter comment je suis en train de te mal de te mettre à nous ici. Non, Paola, mes yeux, tu m'as tué? Tu m'as tué? Comment on peut dire ça à quelqu'un? Hein, 12, quelqu'un peut faire 12 aussi, elle met les photos. 12, moi aussi, je vais dire que tu me copies maintenant. Donc, toutes les personnes qui mettent les photos sur Internet là, ont copié notre grâce par la mesure. Parce qu'il n'y a que elle qui fait les photos. D'autres personnes n'ont pas le droit de faire les photos. Si on fait les photos, on est en train de lui copier. On est en train de lui voler la Sarmania. Agnan, bien, je vais aller voler quelqu'un la Sarmania, comment? Hein? Et puis, les photos ne sont même pas pareilles. Toi tu as la piscine, vous voyez vous tous tout le monde là que je n'arrive pas à me mettre nu à la piscine. Toi tu montes ton beau corps à la piscine. Depuis vous m'avez déjà vu même au beau corps. Même la photo que j'ai fait là-bas dans le Sahara là-bas. Mon ami j'ai d'abord mis mon gros caleçon qui m'a amené jusqu'ici. J'ai mis le gros caleçon, après le gros caleçon j'ai mis le gros truc noir en haut. Alors que toutes les femmes là, toutes les femmes qui étaient avec moi, elles avaient le cul en l'air nu. Moi j'ai dû boumballer les habits, tout le monde a vu ça. Tout le monde, vous avez vu la photo là, je vous ai montré. C'est même sur Instagram, je suis en noir comme ça dans la reine de Sahara. Alors que la reine de Sahara là c'était nu de Sarah, tout le monde devait être nu. J'ai dit que je ne peux pas être nu, hein. Je peux être en caleçon, hein. Ah, non. Je suis désolée. Donc, moi, j'ai bougré, j'ai mon gros caleçon noir, j'ai mis mon gros caleçon, j'ai enfoncé le gros caleçon jusqu'ici. Hein? J'ai posté. Donc, viens me montrer quel genre de photo où toi et moi, on va faire la concurrence. Moi, je suis dans le Sarah de Dubaï. Et toi aussi, tu es dans le Sarah de Dubaï. Et puis, j'ai copié ma grand-sœur. Eh, ma grand-sœur, ne fais pas ça, oh. Natacha, souviens-toi de moi. Ok. Hey, tu la main où? C'est quand Natacha? Adabé au coca. Adabé à mon gueule. Faut me laisser mes deux Natacha. Les deux Natacha sont folles. Je ne sais pas pourquoi les Natacha que j'ai sont les folles. Les deux là sont les folles. La Natacha, mon gueule, c'est une folle. Quand je vais terminer de la Eve Fina, elle va m'appeler, elle va commencer à crier. Ma belle, pourquoi tu es comme ça? Tu n'écoutes pas dire à fous-moi le corps. Elle dit que fous-moi le corps. C'est toi qu'on a mal parlé. On va me dire que mon voisin est clochard. Tu es malade. Tu penses que quelqu'un va venir traiter mon voisin de clochard et puis je vais prendre de la hauteur? Même si les gens qui sont venus dire que je m'en fous parce que les gens qui sont venus, on n'est pas amis. Donc, elles ont le droit de venir me dire. Les gens qui sont venus me dire, on n'est pas amis. Voilà. Donc, et c'est même pas parce que c'est pas moi qu'on est venu dire. Mon nom est sorti par comme ça. Mon nom est sorti parce que c'est la banégance. Donc, si la banégance n'aurait pas sorti son game, comme elle m'a dit, game sale, ça veut dire qu'on m'aurait critiqué jusqu'à la fin des temps. Je n'aurais pas su que la personne avec qui elle est en train de manger me critique depuis déjà 8 mois. Je n'aurais pas su ça aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui parce que la Benegance, hein, on l'a dit à la Benegance qu'elle a fait la partouze. Donc, vous, comme ça, vous faites beaucoup de partouzes. Si dans les partouzes, il y a l'argent, comme moi aussi, j'ai fait les choses d'impolis dans les hôtels là. Pardon, amenez-moi les ministres qui font les partouzes là-bas. Hein. Apparemment, c'est ça la vérité. Hein. Donc, le nom est sorti là-bas que la Benegance fait les partouzes. Donc, si elle n'aurait pas dit que la Benegance sort les partouzes, je serais encore dans le maboulitisme là, ici, là, jusqu'à Pistache de l'Allemagne. M'a bloqué parce qu'elle a dit que je suis ma boule. Paola me critique et moi je parle toujours avec elle. Elle m'a bloqué, ensuite elle m'a redébloqué. Vous voyez les choses de la vie? Je meurs ici là par procuration. Je meurs par procuration. C'est moi qu'on critique et puis c'est moi qu'on bloque. C'est moi qu'on critique et puis c'est moi qu'on bloque parce que je suis ma boule. Je vais capturer. J'ai vu la capture. La capture de quoi? J'ai vu la capture de quoi? Ma chérie, je vais supprimer les lives ou bien? Vous voulez que je laisse le live là? Je vais laisser pour qu'elle écoute. Je vais laisser alors le live. Faites comme vous voulez de toute façon. Moi, j'assume toujours mes trucs.
Moi, j'assume toujours, mais tu... On va aller, moi aussi, j'ai déjà vu Natacha, regarde-moi encore quel chirurgien qui est venu me contacter. C'est lui, le chirurgien que tu connais, tu as dit qu'il est trop cher là. Il m'a encore envoyé les trucs, il dit que pardon, laisse-moi, j'ai déjà trouvé mon chirurgien en Tunisie. Donc, c'est bon. Là-bas, les gars. Mais non, non, c'est à cause d'elle, non, l'histoire de partout de Benegas n'allait pas sortir. Je n'allais pas savoir. Je n'allais pas écouter, je n'allais pas savoir que les audios où on me traite mal. Que moi, comme ça, j'ai dragué, j'ai harcelé Fali et Poupa de sexuellement. Mon Dieu, donc je suis aussi vilaine que ça pour aller harceler un homme marié. Mon Dieu, avec tous les hommes, dans mon Facebook là, si je ouvre seulement mon Facebook, il suffit seulement de lancer un homme dedans. Je le veux. Aujourd'hui là, j'ai déjà quelqu'un qui m'a déjà publié que je fais ces steps avec Claire. Hein? Il suffit, je n'ai même pas besoin de harceler. Il suffit d'aller répondre à un contact. Je le veux. C'est fini. Je n'ai pas besoin de harceler parce que des fois, c'est moi qui bloque. C'est moi qui insulte. Des fois, je suis même étouffée. Donc aujourd'hui, là, il y a les hommes qui sont derrière, qui me suivent même. Qui me proposent même de l'argent. Je bloque, j'insulte. Je les traite de chien. C'est comme ça, là, c'est le futur frère de Jésus que je vais aller harceler sexuellement. Il n'y a plus les hommes dans la planète. Je vais laisser tous les hommes qui me draguent sur Internet là pour aller prendre le petit feu de Jésus. Il n'y a pas de souci. On t'a rendu, non, ta bouche, oui, l'an aussi, on m'a rendu quoi? Moi, je t'ai fait ça un jour. Moi, je t'ai dit que tu as harcelé un homme. Regarde-moi ta tête. À ta tête là-bas. Voilà, bam. Faut aussi, c'est ta grande sœur, hein. Tu es malade. Moi, j'ai fait un truc. Moi, j'ai accusé quelqu'un un bon jour que. Comment on appelle ça? Elle allait coucher, elle a harcelé le Jésus-Christ des artistes. On a fini, le direct est fini, mes amis. Donc, on va écouter la dernière le dernier son, Jésus-Christ. Donc, j'ai terminé, ma soeur, grande soeur. Donc, je t'ai pris tout simplement de me répondre et je te le dis en toute simplicité. Je n'ai pas de haine envers ta personne. Je n'ai même pas de colère. Je suis tout simplement déçue de toi. Je suis choquée. J'aurais peut-être aimé que ça s'arrête à mon niveau. Si ça s'arrêtait que, voilà, que j'ai fait la pute, je ne sais pas par comment Dieu se le sait. Ça, je suis fatiguée. Tout le monde me traite de pute parce que quand les gens veulent connaître ta vie, ils sont obligés de t'inventer les choses pour que tu t'exprimes, pour que tu te justifies, pour que tu te justifies. Donc, les gens vont inventer. Voilà, donc quand les gens veulent te connaître, on va inventer. Donc, j'aurais pu peut-être même passer que tu me disais que non. Voilà, mais le chic, je suis venu chez toi sans te prévenir. Tu m'as donné ça, tu m'as donné 3000 euros, et patapatata. Et ensuite, jusqu'à tu allais rentrer dans le dentiment de ma bouche, de mon voisin, dans les clochemars, qui les clochards qui sont dans là. Ça, c'est abusé, tu vois. C'est totalement déplacé. Moi, j'ai vu ton copain une fois. Excuse-moi, je ne mettrai même pas une opposition ou bien une annotation en sa personne parce que les goûts et les couleurs ne se mélangent pas. C'est comme les maris de mes copines. Jamais, jamais je mets une notation sur leur homme. C'est comme ça. Tu ne peux pas venir traiter mon voisin de clochard, de descendant. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui t'a fait? Tu l'as rencontré une seule fois, le pauvre. Putain, insulte-moi de tout. Nana, parle avec la sœur en privé et ensuite chacune prend sa route. Non, non, je suis fatiguée de privément. Je suis fatiguée de privément. Je ne veux plus parler les gens en privé. Parce qu'à cause de ces privés-là, quand les choses se passaient au privé, les gens, la plupart venaient faire la starmania sur Internet, m'insulter à faire les laves ici. Voilà. C'est comme ça. Vous l'avez tous vu ici, là. La reine mère, à chaque fois que je l'écrivais en privé, elle sortait, elle faisait les lives où elle venait mal me parler, me narguer. Donc, voilà. Donc, je ne fais plus les choses en privé parce que moi, j'ai aimé faire les choses en privé. Je parlais toujours les gens en privé. Quand tu parles en privé, c'est les mêmes personnes de où elles viennent faire « Oh, 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 oh !» Déjà, elles te prennent comme une maboule. Alors que toi, tu n'es pas maboule, tu as envie de préserver. Oh, pardon. Non, non, il n'y a pas les privés. Quand mon nom allait sortir chez la bague de danse là-bas, pourquoi? Claire Newman! Claire Newman, t'as bouffé, j'ai les audios, viens prendre tes audios. J'ai tout sauf que pris, vous aussi. Viens prendre tes audios, Claire Newman. Aïe, j'ai fait quoi? Je pensais que c'est encore un problème avec la raison. Je dis que non, Paola, elle a les audios sur moi. Mon Dieu, j'ai fait quoi? Aïe, ça cogitait dans ma tête, que hier, attends, j'ai tué qui encore? J'ai cherché la tête. En fait, c'est comme ça, je tourne d'abord, qu'est-ce que je l'ai fait? Je regarde, je dis que
La dernière chose, je me rappelle, c'est tout simplement qu'elle m'a fait une vidéo. Elle m'a demandé une vidéo. La dernière, avant-dernière, c'est tout simplement quand Colette Rebouka avait fait un live sur le jour-là, je ne m'ai pas appelé Colette Rebouka. Parce que le jour-là, la maman m'avait appelé, elle m'a expliqué ce qui se passe. Je lui ai donné mon conseil parce que sur maman, on parle en privé. Et donc, elle a fait un live. Le lendemain, elle m'a envoyé le live. Elle m'a dit que, en fait, je l'avais presque, excuse-moi, j'ai Dana qui connaît, je suis obligée de dire, je l'avais presque mal parlé. Je l'avais presque mal parlé que, écoute, me fais pas chier, quoi. Colette Rebouka a le droit d'exprimer ce qu'elle ressent. Pourquoi tu veux que je. Voilà, je l'avais presque dit ça. Je dis, je vois pas en quoi ça me concerne. L'autre fait le direct. Tu veux que je fasse quoi? Je débarque, aller tuer la maman, que tais-toi. Je sais pas. Je dis, non. Je dis, tu n'as pas le droit de t'énerver. Ça ne te concerne pas. Et en plus, je vois pas l'intérêt. Donc, c'est la dernière fois. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir. Oh, Nyambie. Eh, Seigneur, je suis trop honnête. Non, je vais maintenant être égoïste. Je vais être hypocrite. Vous savez quoi? Je vais maintenant être hypocrite avec vous. Tout ceci là. À partir d'aujourd'hui, je déclare que l'hypocrisie est chez Claire Newman. Voilà. Je vais être hypocrite parce qu'à beau d'être honnête, là, je ne sais pas. Parce que il n'y a que ça que je me rappelle. Donc, il n'y a pas vraiment un problème. Je pense qu'après, elle m'a dit, je dis, laisse la maman, elle s'exprime. Elle, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit tout simplement d'un problème qu'elle a avec un mec. Maintenant, si elle te cite en référence, ce n'est pas un mensonge, c'est que tu as existé dans ce problème-là. Donc, c'est normal qu'elle te cite en référence. Pourquoi tu vas... Il n'y a que ça, je me rappelle. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait de moi aujourd'hui. La Claire Newman où on veut tuer ou parce que j'étais honnête en disant que putain de merde, cette dame, elle parle pas de toi, elle parle de Gilbert. C'est ça, je dis, je vous jure. Moi, je n'ai pas fait écouter les audios de gens. C'est ça, je l'avais dit. Je dis, là, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu laisses la maman faire ce qu'elle a envie de faire, l'envie de s'évider. Il ne s'agit pas de toi. Qu'elle m'a dit, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Je dis, non, je suis désolée. Je suis honnête envers ma personne. Je suis allée écouter le direct de Rebouka. Je ne vois pas en quoi elle t'a dit le mal. Même si elle a cité ton nom, excuse-moi. Tu fais partie des protagonistes. Donc, elle a le droit de te prendre à témoin ou pas à tort. Voilà mon problème, et il y a un biais. Donc, il fallait que je dise encore que Colette Rebouka, elle a un retour, ou bien que c'est mauvais. Donc, c'est peut-être à cause de ça, même que j'ai atterri jusqu'à mon mari atterri en Espagne là-bas, à cause de ma bouche trop dit la vérité que, là, mon ami, là, je ne te suis pas dans le bagage, là. Là, la maman, là, t'a pas cité pour te nuire, elle t'a cité pour te prendre en référence. Voilà mon problème que j'ai dit où. Elle t'a cité pour te prendre en référence. Elle a le droit de te citer puisque tu fais partie de ce problème. Ah, car on va pas se mentir. J'ai mal parlé là. Peut-être j'ai mal parlé. Je n'aurais pas dû dire ça. J'aurais dit que oui, Colette Rebouka, elle abuse aussi. La maman là aussi, elle abuse. Et puis comme ça, tout le monde était content. En tout cas, c'est mon problème. Quand je ne veux pas parler des problèmes des gens, les gens me poursuivent avec les problèmes. Je ne sais pas si c'est ça le problème. Je ne sais pas. Mais on a trop duré ici. On va faire le Congo ça demain. Voilà. On a trop duré. Moi, j'ai fini. Je ne vais plus parler de ça. Ce qui est passé est passé. Je ne vais pas voir les postes de pamphlets. Parce que si vous faites trop de postes de pamphlets, ça va m'énerver. Et puis, j'ai pété un câble. Donc, voilà. Donc, je dis ce que j'avais à dire. J'aurais aimé qu'elle vienne ici. Je sais qu'elle est connectée. Parce qu'à chaque fois que je fais le live, elle est connectée. J'aurais aimé qu'elle soit connectée, qu'elle participe comme une grande personne, qu'elle me dise son point de vue. Je m'en fous d'aller va appeler en privé parce que mon nom est sorti publiquement. Donc, je le règle aussi publiquement. J'en ai marre de celles qui règlent les choses en privé parce que lorsque tu prends mon nom, la manigance là n'a jamais, comment on l'appelle, la champagne de pitache là, elle n'a jamais mis pied chez moi. Elle ne connaît pas mon mari. Lorsque celle-là elle parle de mon mari, ça veut dire que la personne là est allée lui parler de mon mari. Lorsque je ne sais pas, lorsque les gens qui me connaissent n'est-ce pas, la champagne ou la méguinance, vos noms là aussi, n'étaient pas là quand je suis allée chez elle à Paris, elles n'étaient pas là quand je suis allée là-bas, elles n'étaient pas là quand je fréquentais, elle m'a fait. Donc, lorsque les choses qui étaient censées être privées, les inconnus viennent me le rencontrer, je suis désolée, je ne suis pas allée régler en privé, je me dis qu'on est des adultes, on a des enfants, on a des poils blancs, les poils blancs au cul, on est capable d'appeler ta soeur, dit ça. Donc, si tu me critiques, c'est que tu ne me considères pas comme ami. J'ai tendance à dire, je ne critique pas mes amis, je me plains souvent des comportements de mes amis. Et pareil, mes amis se plaignent de moi. Mais là, ça c'est malsain. Il n'y a pas une seule chose de vraie de tout ce qu'elle a dit. Si au moins il y avait une chose véridique dedans, j'allais dire, ah, je ne savais pas que ce que je te faisais là, c'était mal. Je m'en excuse. En aucun cas, moi, Claire, j'ai dragué Fali au poupa. En aucun cas de ma vie, de tous les jours, si je manque que mon premier fils ne revienne, vient encore dans mon ventre, si je manque que je meurs, je n'ai jamais dragué au grand, jamais harcelé Fali au poupa. Ce n'est même pas dans mes habitudes de draguer un homme. Même si je suis amoureux d'un homme là, on va se draguer, je me fais désirer. Mais à cause
de quoi? L'homme là m'a invité. Il m'a invité, je ne suis pas allé. Il m'a donné son numéro de téléphone, je ne l'ai jamais appelé. À cause de quoi tu peux aller inventer une telle chose à quelqu'un qui t'estime? Jusqu'à tu me dis, my maison is your maison. Maintenant, je viens dans ma maison qui était ma maison. Je viens faire envahissement. Je débarque à tout moment. Je connaissais ton adresse comment? Je connaissais ton adresse comment pour débarquer chez toi alors que c'est toi qui es venu me chercher dans le Uber. Dans le Uber. Tu m'as pris avec mon enfant, avec ma valise, dans Uber à Bercy. Tu es venu en Uber. Par comment je suis quitté de Londres jusqu'à Bercy et arrivé chez toi. Mystique, comment je sais que nous les Bapounous, on a le vampire, on sort toi en vampire. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour te saquer ou te clasher. Crois-moi, si j'avais envie de te clasher, déjà, un, je ne serais pas habillée ainsi. De deux, je n'aurais pas eu de perruque. De trois, je serais vraiment très fâchée, m'énervée contre toi. Et j'allais dire toutes les mauvaises choses que je connais de tout. J'allais dire toutes les mauvaises choses et ça ne me ressemble pas. Je pense que même Natacha Ogula, elle a, quand on s'est chamaillé, quand elle a commencé à faire, je ne l'ai pas reprenée la vue. Je l'ai tout simplement bloquée parce que je ne voulais pas aller à l'affrontement malsain avec elle. Je suis comme ça. Je préfère s'affronter avec elle, la bouche, mais je ne suis pas le genre de personne. Je suis venue me mettre sur le net et commencer à insulter mon ami parce qu'on a eu des problèmes. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Je considère qu'on est des adultes. Si on veut régler des problèmes, on le règle en tant qu'adulte. Si on doit s'insulter, on s'insulte en privé. Si on doit se prendre la tête, se bagarrer, on se bagarre en inbox. C'est comme ça. Mais venir que ici et dire que je vais t'insulter, non, mais j'avais besoin que tu m'expliques en quoi est-ce que être ton ami fait en sorte que je devienne ton ennemi. On a raté à quel niveau? Explique-moi à quel moment est-ce que le fait que je ne sois pas toujours d'accord de vos paroles avec, parce que les gens ne le savent pas, les gens se disent que peut-être comme je me balade tout le temps avec, ça veut dire que forcément je suis d'accord. Est-ce que le fait que je dise que non, cette fois-ci, la maman, elle t'a pas mal parlé, fait en sorte que je devienne aussi ton ennemi? J'ai fini, hein? C'est quoi avec mon nom? Laisse-moi, fous-moi le camp, toi aussi. Je te laisse pas. C'est vous tous là. C'est vous tous là, les emmerdeurs de la vie. Tu as vu? Elle ne t'a jamais aimé en vrai, donc ce genre de personne peut tuer. Ah, je ne sais pas si elle peut tuer. J'ai envie de dire même qu'elle ne peut pas tuer, mais bon, je ne sais pas. Mais bon, c'était ça. Hein? Donc, je suis venue te dire ça. Donc, si tu as envie de me répondre, tu me réponds. Si tu n'as pas envie de me répondre, je sais que Dana t'a écrit, tu ne l'as pas répondu. Donc, j'ai dit à Dana que moi, je ne veux pas quelqu'un qui ne me répond pas. Donc, je vais laisser. Je vais faire un audio. Je vais faire directement un live et puis elle va regarder. Parce que nous tous, on a reçu tout ce que tu as dit sur nous. C'est pas comme si c'est interdit. Voilà. Comme là, c'est dit ma sœur que non, elle est plus fâchée par rapport aux gens qui sont venus me dire. Non, moi, je ne peux pas me fâcher envers les gens qui sont venus me dire. Parce que les gens qui sont venus me dire ne sont pas mes amis. C'est des gens que je ne connais pas. Je suis plus fâchée envers quelqu'un qui m'a considéré comme sa sœur. Quelqu'un qui m'a accueilli dans sa maison. Si moi, j'entends demain que tu m'as critiqué, je ne serai pas fâchée envers la personne qui est venue me dire. Puisque la personne-là n'est pas mon ami. C'est toi, mon ami. Tu n'avais qu'à considérer notre amitié. Donc, moi, je ne vois pas la vie comme ça. Moi, je ne veux pas attaquer les personnes qui sont venues me dire. Je préfère vraiment condamner la personne qui était censée me protéger en tant qu'amie, qui ne m'a pas considérée comme amie, qui allait me critiquer chez les inconnus. Je dis bien les inconnus. Jusqu'à les inconnus m'ont même bloqué dans leur Facebook en disant que je suis une maboule. Donc, on me traite même de maboule parce qu'on m'insulte, mais moi, je continue à être amie avec toi. Jusqu'on m'insulte même de maboule, on me bloque. Parce que je continue à rire. Oh, l'amour de ça! Donc, je suis tout simplement déçue et j'ai honte. J'ai la fierté de dire, j'ai honte. Je n'ai pas honte d'être ton ami. Je n'ai pas honte d'avoir été ton ami. J'ai tout simplement honte parce que je t'ai trop défendu et les gens m'ont prévenu. Même la maman Colette m'a prévenu que tu vas voir, elle va te faire ça dur. Et j'ai dit aujourd'hui qu'elle avait raison. Elle m'avait prévenu. Et j'ai dit à ma Colette, je m'en fous tant qu'elle ne m'a pas encore blessée. Maman, les enfants dorment. Ok, d'accord. Je m'en fous, tant qu'elle ne m'a pas encore fait du mal, je ne peux pas lui détester. Et c'est pour ça que j'ai honte aujourd'hui, parce que j'aurais dû écouter des avertissements qui m'avaient déjà été donnés avant. J'aurais pu prendre un peu et faire attention. Mais j'ai dit non, tant que je ne suis pas, comme c'est moi qui a créé l'amour,
Après Jésus, quand Jésus est mort dans la croix de Golgotha, là, j'étais en bas comme ça, là. Quand il est mort, là, le sang là est tombé dans mon corps. C'est moi qui distribue l'amour ici dehors. On me piétine, je distribue l'amour. Donc, c'était juste ça que je suis venu te dire. Voici la partie où j'ai honte. Je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte d'avoir été ton ami. J'ai honte tout simplement de t'avoir apporté trop de place et tu n'as pas eu le courage de me dire pourquoi. Comment tu peux dire qu'on me baise dans les hôtels? Mon ami, on est allé ensemble. Même Natacha, avec qui j'ai fait ma vie, on ne fait pas les autres choses là. Comment tu peux aller rencontrer une inconnue qui ne me connaît pas? Tu imagines combien de personnes tu as raconté cela? Tu imagines combien de personnes me regardent ici et disent « Oh, Claire, que vous voyez là, sa grande copine dit qu'on lui prend dans les hôtels de Paris. Combien de personnes tu allais raconter ce genre de mensonge me détruit ma vie? Combien de personnes auprès de qui tu allais détruire ma vie? Qu'on me prend dans les hôtels à Paris. Mon Dieu, j'ai dormi une seule fois dans un hôtel. C'est quand je suis allée en Tunisie pour me faire opérer. Combien de personnes as-tu raconté ce genre d'histoire? Combien de personnes as-tu raconté que tu as dépensé 3000 euros pour que je voie Fali et Poupa? Combien de personnes tu as raconté que j'ai harcelé à Fali et Poupa? Combien de personnes? Tu penses que c'est une image honorifique que tu me fais? Je ne pourrais jamais avoir. Et pourtant, il y a des trucs salement sales dans mes oreilles te concernant. Je ne pourrais jamais, au grand jamais, les utiliser. C'est ta vie privée, c'est ta vie sexuelle. It's not my problem. Ça ne me regarde pas. Si j'ai envie de niquer avec un chien, si tu as envie de niquer avec un singe, it's not my problem. Ma Wenda, mes enfants dorment. Ma fille, elle est l'horloge. Elle avait ses petites soeurs là. Quand ils vont au lit, c'est avec qui, comme je parle. Maman, les enfants dorment. Vous avez entendu? Maman, fais attention, les enfants dorment. Elle est trop réglo. Ils ont l'heure ici à cause du coronavirus. Mes enfants, ils ont l'heure de dormir. Et c'est 1 heure. Ils vont au lit. 1 heure, ils vont au lit. Donc mes enfants sont déjà, au lit là. Voilà. Et on va écouter. Et ça, ouais, la chanson là, c'est vraiment une bonne chanson. Ceux qui ne comprennent pas le fond, la chanson là veut dire que j'avais un visage. Attends, on va écouter, sans fond. Et puis, on va partir. Voilà, donc, je suis désolée, ma soeur. Je ne t'en veux pas. Voilà, je ne t'en veux pas. Je suis toujours là. Si tu veux t'exprimer, tu pourras venir t'exprimer. Mais moi, je ne t'en veux pas. Voilà, c'est la nature. Tu n'es pas la première qui me fait ce genre de coup bas. Elles sont beaucoup dehors, comme ça, les petites connes, que j'appelle les petites connasses à la croix, à la noix, les petites jalouses qui passent tout le temps à me vouloir du mal. Elles sont nombreuses. Du moment que je leur dépasse d'un peu, c'est fini, je deviens leur ennemi. Donc, si toi aussi tu t'ajoutes dans le paquet, bienvenue dans le club des ennemis de Claire Newman. Mais je ne t'en veux pas. Voilà. Je ne t'en veux pas. Je te dis, je suis la tisa de Fali au monde. La tisa gratuite comme ça, là, vraiment, au lieu qu'ils me donnent même l'argent. Moi qui suis une Camerounaise ratée là, moi je vais aller avec Fali Poupa et puis je vais aller faire gratuit sans argent. Nyamboué. Ça c'est argent à main sexe après. Vous ne connaissez pas les gens ici dehors. Hein? Aïe. Argent à main sexe après. C'est-à-dire, j'ai dit que va me construire ma maison là-bas au Gabon. Je vous montre que voici la maison que Fali m'a construite. Vous pensez que moi c'est la cause d'un artiste? Je pars avec Fali Poupa, tout le monde va voir. Il dit que tu veux mes fesses, me construire là-bas la maison au Gabon. Ça ne va pas. Il a quel genre de pipi que tous les hommes n'ont pas les pipi là? Le même pipi là, mon mari a ça, un autre homme a ça. Donc, à cause d'aller faire va et vient, entrer, sortir. Moi, je vais aller à cause de parce que c'est un Fali. Il y a l'argent, je viens. Tu me construis ma maison, tu me vends. Là, il y a bon. Donc, il m'a conçu quoi? Moi, je suis une matérialiste. Il m'a donné combien? Parce qu'aucun homme ne me fait gratuit. Enfin. De ta main, Seigneur. Je sais parler en ton nom, mais je n'y ai pas des noms fins. Je sais que je n'étais qu'un mensonge. Je te sais éloigné de ta main, Seigneur. Je ne suis pas un homme sage. Le péché m'attire constamment. Je dois compter sur toi davantage et écouter dès maintenant.
Je suis folle. Je veux vivre dans ta maison. Dans ta lumière, autant pour moi. Et mener ma vie dans la vérité. Oublie ma condition première et retourner sur tes sentiers. Je veux vivre dans ta lumière, Seigneur. Et mener ma vie dans la vérité. Oublie ma condition première et retourner sur tes sentiers. Mesawa, mesawa, mes. Eh? Mesawa, mesawa, mes. Ah, j'adore toute la chanson là, ça les aime. Oh, Naomi, attends, ne m'appelle pas là-bas. Allume ce mayangowa. Allume ce mayangowa. Et ça va, mais qu'il y a les métaux. Allume ce mayangowa. Allume ce mayangowa. Et ça va, mais. Kalimetam, Akalenine Miten. Je vous dis le nom après. Akalenina le. Akalenine Miten. Akalenina le. Jérina, au tabayama, à Kalenyinginda babo miten, boyoyoma yebulu, fabenben, et ça va me. Ah, désolé, un peu, je viens de finir de chez. Jérina, au tabayama, au tabayama. Kalenyinginda babo miten, mayo yo mayo wulu, fabenben, esawame, esawame, limetam, je veux vivre dans ta lumière, Seigneur, et mener ma vie dans la vérité, oublie ma condition. Première et retrouver sur tes chemins. Et ça va, mais ça va, mais. Et ça va, mais ça va, mais. Ah! Moi, je vais pas vous dire que donnez votre vie à Jésus, hein. J'adore écouter les louanges comme cette louange-là. Elle me plaît bien. C'est un Camerounais, c'est un frère Camerounais qui chante ça. C'est Stanley Philippe. C'est Stanley Philippe qui le chante. Voilà, donc j'adore trop ce chant. Ils chantent très, très, très bien. J'écoute ça tout le temps. La traduction, c'est tout simplement « Je vais vivre dans ta lumière et mener ma vie dans la vérité. » Voilà. « Seigneur, écoute mes cris parce que le monde est dur. » Le monde est difficile, Marina. Parce que la vie fait trop mal. Enfin, la vie, les douleurs, bref. Voilà, donc je vais rester dans ta maison, c'est un peu ça, c'est des louanges comme ça que j'écoute et pourtant je ne pars pas à l'église parce que moi à l'église c'est des charlatans, excuse-moi, mais le Dieu, il est le Dieu de mon cœur, je préfère avoir Dieu dans mon cœur que les dieux partout, vous voyez, j'ai ma Bible là à côté, ma Bible là et les chapelets est dans mon tédorier. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi, j'aime pas les églises parce que les églises là-bas, c'est les lavages de cerveau, c'est les menteurs. Donc, voilà. Mon Dieu, il est à moi. Quel amour a ma nièce. Ça, c'est ma star de nièce. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je vous donne le... J'ai refait écouter le morceau. J'ai refait écouter le morceau, le louange. On termine en morceau jusqu'à ce qu'on sera à 30. Je coupe. On refait écouter le bon morceau de Stanley. À louange. Les esprits saints vont venir. Mais là, on va écouter les gens. Dernier tour.
Écoute les bonnes paroles. Je désire parler en ton nom, mais j'ai mis le masque dans mon sein. Mais on sait que je n'étais que mensonge. J'étais trop éloigné de ta main, Seigneur. Je disais parler en ton nom, mais j'ai mis un masque dans mes seins. Mais en secret, je n'étais que mensonge. J'étais trop éloigné de ta main, Seigneur. Avec le nom. Je ne suis pas un homme sage. Le péché m'attire constamment. Je dois compter sur toi davantage et recouter dès maintenant. Faut écouter Dieu dès maintenant. Je veux vivre dans ta lumière et mener ma vie dans la vérité. Oublie ma condition première et retourner sur tes sentiers. C'est ça, Wam. Merci, j'ai bien de télécharger ça. Ok, d'accord. T'as vu? Mener ma vie dans la vérité. Je vous mets le titre après. Oublie ma condition première et retourner sur tes sentiers. Et ça va, mais ça va, mais. Et ça va, mais ça va, mais. Ça, c'est ma partie. Tous les jours, je t'attends. Et ça va mieux. Kalimeta. Et ça va mieux. Kalimeta akalenine miten akalenina lot akalenine miten akalenina lot. Voilà, donc j'ai terminé parce que les enfants dorment, j'ai mal à la tête. J'espère que je n'ai pas fait 40 machins. Ok, d'accord, j'ai fini, ma chérie. J'ai fini, donc je vais partir. Soyez bénis dans le Congo Saman. Voilà, on vient de faire un Congo Sa de 2 heures, mais ce n'est pas le Congo Sa, excusez-moi. Voilà, j'étais obligée parce que, comme je vous ai dit, quand on aime quelqu'un et qu'on entend que la personne a des mauvaises intentions envers ta personne, on ne sait pas comment on peut agir. Donc, peut-être que j'ai mal agi en faisant ce direct. Je m'en excuse déjà d'avance. Peut-être que j'ai mal agi en faisant ce direct. Mais bon, à un moment donné, je ne vais pas venir être
le pigeon voyageur de toute la résistance, on va parler tout le temps, tout le temps. Donc, excusez-moi hein, si j'ai vraiment, si je n'ai pas adopté le comportement de prise de hauteur cette fois-ci là. Voilà, ça me fait un peu mal, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est décevant. Donc, passez une bonne soirée, chacun d'entre vous dans vos maisons. J'espère que je n'ai pas beaucoup crié, que je ne vous ai pas fait pleurer au début et tout cela dans mes folies. Et puis, on est ensemble, on continue plus tard, soit dans la résistance, soit dans mon lifestyle. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et que Dieu vous protège. On se retrouve dans les mains de Dieu. Salut.